Bienvenue. Excuse-moi, Noémie. Excuse-moi, on le coupera. J'attends, j'avais pas vu le live qui était parti. OK, je vais y aller. OK. OK, les Malcommodes, bienvenue à cet autre Spacecast avec son Sam. Yup, tabadoum, timpoum, comme dirait l'autre, Saskatchewan, tu m'as pris ma femme, elle m'a crissé là pour un gars de Regina. Eux autres, ils disent, là, c'est Simon des Trois Accords qui chante. Ils disent avec un air, là. Tu vois, je te l'ai dit, là, c'était calissement d'une traite bien sec. Mais c'est un souvenir de 2003, mine de rien, ça. Ça va vite, la vie. Saskatchewan, me semble, c'était hier quand ça sortit. Ça nous rappelle que la mort est à nos trousses. On peut juste mourir. C'est la seule finalité qui risque d'arriver. Là, on vit tant bien que mal. Mais maintenant, là, boum, esti. Ah ouais, direct, le esti dans gueule. Puis, on a-tu des esti dans gueule quand on envoie une mort? Je me souviens pas si. Je demanderai à mon invité spécialisé de la mort. Je viens d'inventer ça. C'est la première question que je vais poser. On tient une esti. Mais sans, non, je pense que c'est la messe normale qu'on se calisse un esti dans le palais en essayant de se l'enlever. Toujours, tu t'accroches. Il y en a qui sont sensibles, il y en a qui gagnent rapidement. Il y a le gag reflex, là. Moi, j'ai déjà vu ça, ouais, une de mes cousines, là, c'est avec l'hostie, là, je suis pas soudainement rendu dans une autre anecdote, là, je n'ai rien fait avec ma cousine, mais à l'église, elle testait, tu veux t'enlever l'hostie, finalement, tu régurgites ton mic, ça, c'était ces petits crochets, tu sais, les petits crochets, là, qui sont là pour décrocher nos genoux, elle avait vomi, là, ça te gâchait une messe en hostie, prends la soutane du pape pour enlever ça, c'était pas le pape, on n'était pas au Vatican, là, mais c'était un prêtre, je sais pas si c'était un prêtre, mais c'est, on s'écarte pas mal, hein, pas dans le sens prêtre jeunesse, là, mais... Plus ça va, moins ça va, cette intro-là. OK, je prends le temps de faire un petit clin d'œil aujourd'hui à mes chers membres Patreon. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. C'est Noémie derrière la console qui met le petit lien. On met le lien et je le redis parce qu'il y a encore des gens, puis c'est correct, il n'y a pas de jugement, qui connaissent un peu moins l'univers du podcast. Les gens, des fois, m'écrivent, c'est tellement le fun le podcast, j'aimerais ça en écouter plus. Un par semaine, c'est pas assez. Ben là, je le dis grand public parce que la question revient assez souvent. Le Patreon, c'est une plateforme. Ça, les gens, des fois, ça leur fait peur parce que c'est marqué en anglais. C'est une plateforme. Ça te prend 2-3 secondes. Il y a un petit montant d'argent que tu mets de ton choix. Tu peux suivre les forfaits. Puis en échange, j'essaie de te donner 2 émissions par semaine de plus de qu'est-ce que c'est que char. Fait que ça, c'est le fun. OK, mon invité d'aujourd'hui, un homme, vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'aime d'amour. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai un immense respect pour cet homme-là. Je le trouve drôle, je le trouve réfléchi, je le trouve touchant. Je suis vraiment content qu'il soit là. Ça va être de la fun. Comme d'habitude, c'est la première fois que tu écoutes mon podcast. On va aller visiter l'humain derrière l'homme artistique. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, son GF. J'étais concentré à m'attendre d'arriver. Hein? Ben là, j'étais là. C'était marqué Tap for Sound. Fait, j'étais là. Ouais, il faut-tu que je fasse de quoi, moi, il me semble, qui m'a dit de ne pas bouger et de rien faire. J'étais là bien docile après ta fin. La première question, GF, y a-tu des hosties quand on est à des funérailles? Ben, il me semble que non. Il me semble que non, hein? Il me semble que non. C'est... Justement, je pense que le monde sont en pleurs aux funérailles. Quand le service finit, on part, puis on s'en va porter la dépouille en terre au four crématoire. Fait qu'il me semble que, tu sais, c'est pas d'à propos de faire « Hey, by the way! » By the way, tu as une gorgée de vin, puis on porte la canette après. Je pense que tu es déjà en état de communion quand tu t'en vas à un service funéraire. J'aime ça qu'on commence en parlant de mort et d'hostie. Tout ça improvisé dans mon intro. Finalement, ça se ramasse pour de vrai dans le Spacecast. Et je pourrais te parler de la mort plus tard si tu veux, mais à matin, je me suis senti mal, JF, qu'on enregistre aujourd'hui parce qu'il fait beau dehors. Puis je sais que tu es un fan de moto, je me trompe pas. Ouais, mais quand tu fais moins 12 température ressentie, on dirait que je suis comme moins fan de moto. C'est ça. Ouais, au risque de passer pour une petite nature. Là, tu vois, je suis pas sorti de la journée. Moi, je vois juste le soleil dehors, puis je suis comme, hey, Chris, c'est beau, c'est plat pour JF. Fera pas... C'est sûr qu'à moins 12, tu dois être les gelés en esti. C'est quoi la ride la plus frette que tu as faite dans ta vie, sous la pluie, sous la neige, peu importe, là? Ben, en moto, par exemple, quand tu te mets à avoir froid, il y a une question de durée. Tu sais, des fois, il faut que tu t'en reviennes. Mais j'ai déjà fait de la moto, puis il neigeait, puis il mouillait, puis ça s'est mis à glacer. Là, je n'étais pas fier. Tu n'es pas si à l'aise que ça en moto. Et non, il n'y a pas de pneus d'hiver pour ça. Fait,
Ça, cette fois-là, j'ai vraiment eu peur. Mais tu sais, t'arrives à la maison, on dirait que le froid te transperce. Là, tu sais, t'as beau prendre des douches à l'eau chaude, tu réussis jamais à reprendre ta chaleur. Tout le monde qui a fait de la moto, ça y est déjà arrivé là, à un moment donné, de pogner. Tu sais, puis quand tu roules en moto, de la pluie, ça fait mal. Là, malgré le gros case que vous mettez, il me semble que vous mettez, c'est assez épais, merci. Là, mais ça rend vite. Moi, je ne mets pas de full face. Fait que c'est d'en face que ça fait mal. Là, Pourquoi tu ne mets pas de full face? Je ne sais pas, j'aime ça avoir la face ouverte. J'imagine que si je reçois une grosse roche avec la face que j'ai, je vais faire c'est pas une si grosse perte que ça pour l'humanité. Oui, mais moi je pense plus aux acides d'insectes, les bébites, les tons, quelque chose, ça doit te rentrer ça direct dans le nez. Oui, bien, ça fait partie de faire de la moto. Moi, j'ai déjà fait une raide de moto. Je me suis fait piquer par une guêpe dans le cou. Puis je suis venu pour l'arracher. Puis il y a une moitié de guêpe qui est restée. Fait que l'autre moitié était dans mon cou. C'est celle avec le dard, là, puis le venin. Puis j'étais là, je fais. Mais je suis-tu allergique à ça, moi? Je me suis jamais fait piquer par une guêpe. Puis là, tu sais, tu roules à 100 km/h sur l'autoroute, puis tu fais « Oh oui, dans ta minute, là, je me sens partir. » C'est tout. C'est tout psychologique. Je suis pas allergique. Mais une piqûre de guêpe, par contre, ça fait vraiment mal. Oui, j'en ai déjà eu une. Ouais, ça fait sans estime. Ça fait vraiment mal. Dans le cou, ça fait vraiment mal. Ça fait une grosse bosse. Surtout quand la moitié de la guêpe reste dans ton cou. Ça... Puis tu sais, t'es pas comme équipé pour aller la chercher. Moi, ça, c'est un moment désagréable, la moto. Là, t'as pas eu le temps d'avoir peur parce qu'elle t'a piqué, tu gérais une moto à 100 km/h. Si t'en vois une sur une terrasse, malgré ton gabarit, t'es-tu du genre à te lever en criant un peu, en faisant ma calisse, puis t'as peur ou ben non? Hein? Non, mais ma blonde, par contre, elle a vraiment peur de ça. À un moment donné, tu sais, il y a des guêpes noires et jaunes, mais il y a des guêpes de sable, ou en tout cas, ils sont noirs, mais ils sont beaucoup moins agressifs, tu sais. OK. Puis vraisemblablement, j'avais une nid de guêpes sur mon terrain, ou en tout cas proche. Puis je réussissais pas à trouver il était où, et ma blonde voulait plus aller dehors, elle voulait plus j'ai fait venir exterminateurs pour ça. Évidemment, ils disent ouais, mais c'est pas dangereux là, ces guêpes là, ils sont vraiment pas agressifs là, c'est pas comme les jaunes et noirs là. Tu fais ouais. Ouais. Mais j'ai vraiment besoin que tu viennes quand même. Tu veux aller dire ça à ma blonde, s'il te plaît? Ma blonde a crié. Ah! Écoute, je descends avec un couteau dans les mains, tu sais, sûr, elle est en train de se faire agresser. Elle a vu une araignée dans une autre pièce. Là, ouais, c'est ça. Et moi, j'ai peur des araignées. Honnêtement, j'ai une phobie de ça. Et pour mal faire, à un moment donné, j'en avais vu une qui était vraiment grosse. Et j'ai pris un Kleenex, puis je l'ai tué. Elle m'a piqué au travers du Kleenex et mon doigt s'est mis à enfler avec les deux trous de la morsure d'araignée. Fait que ça, c'est sûr, ça n'a pas calmé ma peur des araignées. Tu vas me dire, bon, elle est morte, là. Tu sais, je l'ai plus maltraitée qu'elle m'a maltraitée. Mais j'ai quand même une peur de ça. Mais tu sais, tu remarqueras que quand quelqu'un perd la tête complètement, ça te laisse plus d'espace pour toi la perdre. Tu sais, quand ta blonde... Oui. « Oh mon Dieu! Il y a une araignée! Il y a une araignée! » Tu fais, OK... Bon, ben, ça a l'air de faire que je m'en occupe. Parce que vraisemblablement, elle, on vient de la perdre. Tu sais, ça t'enlève le droit. Le droit à ta phobie. Tu sais. Ben, imagine-tu si tu réagissais comme ta blonde, ça serait l'enfer, là. Ben, tu peux pas. Tu sais, ça en prend un des deux pour prendre le dessus. Puis elle me prend toujours de vitesse. Fait que, tu sais, j'ai moins peur qu'avant des araignées. Mais, tu sais. Moi, on m'avait invité à Fort Boyard et tu sais, ils te demandent c'est quoi tes phobies, tu fais OK, c'est beau, j'y vais pas. Ah ouais? Non, hein? Non, mais c'est parce qu'on te demande tes phobies pour pas te mettre ça. Tu fais non, regarde, c'est beau, j'y vais pas. Je sais que c'est pour te piéger, là. Tu sais, je vous connais. C'est sûr. J'en ai juste fait de la TV, là. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça qui s'en vient. Puis tu sais, tu fais, moi, si tu mets des tarentules puis des migales, ils ont beau être opérés, tes araignées, je m'en fous, je vais les tuer. Tu sais, fais-moi pas ça. J'ai fait, regarde,
je pense que ça finira pas bien, cette affaire-là. Je vais juste pas aller à Fort Boyard. Mais là, la production va dire non, mais on va amener ta blonde qui va crier à côté de toi. Tu vas pouvoir. Mettons que tu n'y penses pas, là, tu dis ah, OK, ils sont fins, ils me le demandent, je vais y aller. Puis là, devant le fait accompli, malgré les caméras puis tout ça, tu back pareil. Là. As-tu l'instinct qui embarque de ah, t'as une minute, Chris, je suis filmé, c'est pas vrai que m'avoir l'air de. Ou ben non, t'es comme non, non, laisse faire l'émission, je n'avance pas. Je sais pas comment est-ce que je réagirais. Tu sais, c'est une phobie, tu sais. Tu sais, quand je l'intellectualise, j'ai l'impression que je fais, ben, ça serait une belle occasion de confronter ouais. ma peur, mais tu sais, quand tu vois une grosse araignée, c'est impressionnant. Là, ouais. Moi, je reste sur le bord de l'eau, puis j'en ai chez nous là, qui sont grosses. Là, tu peux te faire un steak avec, là, quasiment. Là, c'est... Et il y a de quoi qui me fascine. Je sais que c'est pas un animal qui est dangereux. Je sais que c'est pas... Mais tu sais, quand t'en tues une, puis t'as mort, t'as l'impression que toi... La revanche de l'insecte. Je m'en vais chercher mes 250 millions de chums, puis tu vas voir, on va t'en péter une, mon gros tabarnak. Je sais que ça fait pas ça, tu sais. Je sais que c'est un animal solitaire qui se met sur un mur blanc et qui fait, ben, regarde, si je bouge pas, d'après moi, il me voit pas, tu fais, c'est parce que t'es noir. Mais c'est ça, tu sais, c'est une phobie. Et il y a de quoi qui m'attire quand même de tout ça. Tu sais, je trouve ça tellement laid que je trouve ça beau. Tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur des lézards, j'ai pas peur des reptiles. Mais les araignées, tu sais, c'est quelque chose que j'ai vraiment peur. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Mais avec ma blonde, tu sais, c'est moi qui ai pogné pour tuer les araignées parce que, tu sais, quand tu t'en vas dans le sud, là, puis qu'il y a des grosses bébites, là, ah, écoute, ouais. Moi, à un moment donné, là, j'étais tombé sur un genre de coquerelle géant, puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, une minute, là, c'est pas vrai que je vais tuer ça. Je vais tuer ça avec mes mains. c'est pas. Puis, tu sais, moi, je suis pas pour tuer des animaux, là, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps que la peur embarque, là, tu sais, c'est que là, je fais, je m'en fous que ça m'a rien fait, je m'en fous que ça soit pas dangereux, là, tu sais, je pogne n'importe quoi, tu sais, si je peux pogner la TV puis la pitcher sur... Fait que, non, ouais, c'est ça. T'sais, c'est pas quelque chose que je suis fier, là, remarque, tu sais, c'est pas... je sais pas, mais je pense pas que l'orgueil, c'est ça qui me sauverait. Je pense que c'est plus de, tu sais, mettons, pour revenir à ta question première, si j'étais à Fort Boyard puis que je... Fait, OK, je m'en vais dans la chambre des araignées. probablement que je ferais, ben, c'est une belle occasion de confronter ma peur. Si je passe à travers de ça, je vais être guéri d'une peur relativement stupide, tu sais. Ah ouais. Tu sais, c'est pas un hippopotame, là, tu sais. C'est une araignée. La plupart peuvent pas te tuer, là, tu sais. C'est rare, une araignée qui peut tuer un gros bonhomme comme moi, là, tu sais. ça ferait marcher, en tout cas. Ça serait une triste fin, mais ça me parlait de toi. C'est-tu ta phobie numéro un? T'as-tu la classique peur? T'es tantôt, au début, on parlait de la mort. Y penses-tu à ça ou ça pantoute? Au contraire, tu t'en calisses, t'as pas peur de mourir? Puis, Je sais pas quoi répondre à ça. Je peux pas te dire que... Je peux pas te dire que je m'en sac, tu sais, je peux pas te dire que j'ai peur de la mort, que c'est quelque chose. Puis je peux pas te dire que j'attends ça avec impatience non plus. Là, tu sais, je vais m'ouvrir sur quelque chose que je fais jamais. Tu sais, moi, en théorie, je suis athée. Ben, si on veut être précis, je suis agnostique, tu sais, dans le sens, je ne sais pas s'il y a quoi, mais je pense qu'il n'y a rien. Tu sais. Par contre, des fois, je lance des prières dans l'univers. Tu sais, fait, tu fais, c'est comme un genre de non-sens. Tu sais, si tu fais
tu pries quoi, tu sais, si tu crois à rien, tu sais, c'est... Fait que tu fais, ben, tu dois croire à quelque chose, tu sais, mais... Tu sais, on dirait qu'il y a deux côtés de moi qui... Tu sais, il y a un côté qui aimerait ça croire à la magie, qui aimerait ça croire que ces choses-là existent, tu sais, ça a de quoi de rassurant, mais il y a un autre côté de moi qui fait, ben non, c'est de la bullshit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est, le monde a besoin de ça pour passer à travers la vie, tu sais, sinon, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, sinon, tu sais, s'il n'y a pas de finalité à la vie, si tu te mets à y penser, ta vie ne vaut pas plus que celle d'une araignée, tu sais. S'il n'y a pas de finalité, tu sais, c'est juste une question de temps, on meurt, puis... le cycle se reproduit. Puis, tu sais, c'est des questions que tu es peut-être mieux de ne pas trop te poser aussi parce que. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Là. Non, c'est ça. Non, je te posais la question parce que je me disais aussi, vu que tu as été. Tu sais, je ne veux pas te faire répéter ça, tu l'as souvent dit en entrevue ou dans d'autres podcasts. Tu as été confronté à la mort très rapidement quand tu as perdu ton père ouais. Quand tu avais 4 ans. Je me disais, ah, peut-être que tu as changé aussi, le, même si tu étais très jeune, en évoluant. Je ne sais pas si la mort prend un tout autre sens. J'imagine que pour toi, par rapport au fait que ton père est mort jeune. Là. Moi, quand mon père est mort, j'avais 4 ans. C'est sûr, c'est-à-dire, ça m'a bouleversé. Tu sais, j'en suis revenu, là, tu sais, 53. Là. Mon père est mort à 30 ans. Mais c'est sûr que quand tu es jeune, ça t'enlève confiance dans la vie, tu sais, il y a des gens, tu sais, qui ont confiance dans la vie, tu sais, qui n'ont pas manqué de rien, puis on finit toujours par se ranger, tu sais, de l'argent, on finit toujours par en trouver, tu fais ouais, t'en vas voir ton père, c'est ça. tandis que moi, j'ai eu la preuve jeune que des fois, non, tout finit pas par s'arranger, puis tout finit pas par s'arranger pour le mieux, puis que... Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, ça s'arrange. Tu sais, ça s'arrange, mais ça s'arrange pas dans le bonheur. Assez rapidement, tu as comme été désillusionné par le fait que c'est pas toujours un conte de fées, Chris, puis des fois, ça finit comme de la merde. Ça finit. Puis, tu sais, le monde. Tu sais, moi, je fais de la moto, on va revenir à ça. Et souvent, le monde me dit c'est dangereux faire de la moto. Tu sais, tu fais. Ouais. C'est dangereux faire de la moto. Non, mais tu devrais faire attention, tu sais, c'est vraiment dangereux. Puis tu fais. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'à toujours prévoir le pire, tu finis par avoir raison. Mm-hmm. Tu sais, il y a du monde qui annonce la fin du monde à tous les ans. Bien, il y a une année où ils vont avoir raison. Tu sais, c'est le pire finit toujours par arriver. Tu sais, c'est l'intervalle. Entre que le pire arrive, puis tu sais, à quelque part, c'est ça qui compte. Puis tu sais, moi, faire de la moto, ça a beau être dangereux, ça me permet de me vider la tête, puis de penser à d'autres choses. Ça a quelque chose de relaxant, puis tu sais, ça a quelque chose qui me rend heureux aussi. Tu sais, je fais, ben oui, c'est dangereux, mais j'aime mieux courir ce risque-là que de passer ma vie sans faire de moto, parce que c'est un feeling, le fun. Tu sais, c'est comme. J'aimerais, tu sais, je pense que tout le monde a le fantasme de voler, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, évidemment, je parle pas de la teinture chez Jean Coutu, là. Tu sais, mais de voler. Mais la moto, c'est comme un peu ce qui s'en approche le plus, tu sais. Puis tu sais, c'est le fun de conduire. Moi, j'aime ça conduire. Tu sais, il y a du monde qui dépense des fortunes pour avoir des chars qui vont vite, que t'as pas le droit de te servir. En moto, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'as le feeling. Justement, tu sais, moi, si je pouvais, je mettrais pas de casque, là, parce que t'as le feeling d'être dans l'air, d'être vulnérable. Tu sais, c'est ça qui rend ça le fun aussi. C'est le feeling de vulnérabilité. Fait, une moto à 10 000 piastres, c'est plus le fun à conduire qu'un char à 150 000. Tu sais, puis, tu sais, j'en ai essayé des chars là, qui valent cher. C'est bien le fun, c'est bien... Mais, tu sais, t'as toujours... Hey, Colin, j'ai trois fois mon salaire annuel en
entre les mains. Tu sais, ça serait le fun, je ne le rentrerais pas dans le mur, je pense qu'il ne trouverait pas ça drôle. L'avantage du char à 150 000, c'est que les risques de te faire piquer par une guêpe dans le cou sont plus basses. Oui, ouais. Mais par contre, de te faire piquer par l'Italien qui vient de l'apporter, qui fait là, on va être un peu plus... on va être un peu plus mollo sur le break, OK? Donc, sur le gaz, parce que... Oui, totalement. C'est-tu ton exutoire numéro un? Tu sais, comme moi, mettons, quand je suis sur une glace, moi, ça me prend le hockey. Quand je suis sur une patinoire, je pense à rien. La moto, c'est-tu ton exutoire numéro un? Ou t'es encore meilleur que ça quand tu veux t'évader un peu? Quand tu fais... Quand c'est l'été, ouais, je dirais que c'est... Parce que l'hiver, pas de temps. Puis, j'ai pas trouvé. Tu sais, j'ai essayé ça dans ma motoneige. J'ai essayé d'autres affaires. Puis, j'ai pas ce feeling-là. Tu sais, j'ai fait longtemps du ski alpin. J'étais à Montané. J'ai trouvé ça le fun, tu sais, mais pas de là à me rééquiper. Tu sais, c'est... En tout cas, bref. J'ai pas tellement. J'aime pas beaucoup l'hiver, probablement parce que je pratique pas de sport d'hiver. Moi, je m'entraîne à tous les jours. Je sais que le monde a de la misère à croire ça, mais tu sais, c'est un exutoire aussi. Là, je le fais plus pour ma tête que pour mon physique, parce que si je le faisais pour mon physique, moi, je trouverais ça vraiment décourageant. mais pour ma tête, ça me fait vraiment du bien de m'entraîner. Là, les gyms viennent de réouvrir. Je me doute que ça va probablement refermer bientôt. Ouais. Mais tu sais, il y a comme aussi un aspect social à ça. Moi, tu sais, je fais pas grand-chose. Moi, à part promener mon chien, tu sais, je fais pas grand-chose. Tu sais, quand on est sur la scène, le monde trouve qu'on a de l'air à avoir des vies tripantes parce qu'on raconte des anecdotes. Puis, fait deux ans n'arrivent donc des affaires à ces gens-là. Puis, tu sais, quand tu écris tes affaires, bon, premièrement, des fois, c'est pas tout déjà vraiment arrivé, là, tu sais. Mais on n'a pas des vies si tripantes que ça. Puis notre personnage de scène est vraiment. Tu sais, moi, je jouais dans Virginie, puis à un moment donné, je trouvais que mon personnage dans Virginie avait une vie émotive beaucoup plus grande que la mienne. Écoute, des fois, je me chicanais avec ma blonde de l'époque, puis j'étais, j'aimerais ça la refaire, celle-là, je ne l'ai vraiment pas bien envoyée. Ou des fois, tu commences à te chicaner avec la personne, et ton texte que tu as appris il y a deux semaines ressort. Là, tu fais le texte, puis tu fais, hey, s'il fallait qu'elle s'aperçoive de tout ça, je te dis, tu perds toute crédibilité, mais tu sais, il y avait. Ouais, je trouvais que la vie émotionnelle de mon personnage était beaucoup plus intéressante que la mienne, tu sais, puis surtout en vieillissant, tu sais, moi, j'essaie de me rapprocher du bonheur le plus possible, tu sais, surtout en vieillissant, tu sais, mais c'est aperçu que les réseaux sociaux, ça m'amenait pas beaucoup de bonheur, tu sais, ça amène des ventes, ça amène des revenus à quelque part, mais je me suis aperçu que ça me rendait extrêmement malheureux. Tu sais, la contrepartie des réseaux sociaux me rendait beaucoup plus malheureux. Oui, parce qu'il y a eu un moment où tu faisais la fameuse pensée du jour où quotidiennement, tu étais là sur ta page. Moi, j'étais un précurseur des influenceurs sur YouTube. J'avais une chaîne YouTube. Je pense que j'avais 50 000 abonnés. Écoute, j'aurais pu... Et moi, j'ai toujours refusé d'être payé pour ce que je faisais sur YouTube. Tu sais, tu vas voir la mentalité d'étron, là. Mais... Je me disais, comme ça, si je ne suis pas payé, si le monde ne sont pas contents, ils ont juste à débarquer, je ne fais pas une scène avec ça. Fait que faites-moi pas chier que ce n'est pas à votre goût. Allez ailleurs. That's it, tu sais. Puis écoute, il y a beaucoup de haine là-dessus. Puis au début, je répondais au monde. Tu sais, je ne sais pas si tu t'imagines l'énergie que j'ai dépensée à répondre à des trolls qui ne demande que juste ça, parce que c'est comme ça qu'ils justifient leur existence minable, tu sais. Moi, c'est ça, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, je me suis brûlé, tu sais, je suis un peu tanné aussi des faux scandales, tu sais, qu'on fait, il a dit ça, mais quel trou de cul, puis on te prête des intentions, puis moi, au début, je disais, mais non, vous n'avez pas compris. Puis je me mettais
à expliquer ma démarche, pourquoi... Puis tu sais, à un moment donné, tu finis par catcher, tu fais « Ah non, OK, c'est... OK, je suis pas vraiment le sujet... » Tu sais, toute cette haine-là, c'est pas vraiment ça. Je suis là juste pour leur donner une raison de vivre, parce que ces hosties-là, quand ils s'offusquent, ils ont l'impression de jouer un rôle de justicier social, puis que, tu sais, que le monde va tellement être meilleur. Tu sais, les jeunes, tu sais, c'est des gens qui, on dirait qu'ils font, ben moi, j'ai fait une page Facebook sur la faim dans le monde, fait que je suis content d'avoir fait ma part, puis que le problème maintenant soit réglé. Puis t'es là, tu fais, ben oui, mon gars, il est-tu sérieux? Tu fais, ben oui, il est sérieux. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai 53 ans, Sam. Tu sais, toi, je sais que t'es un jeune, t'es dans ta génération, t'es super bon, t'es super drôle, t'es dans ton élément, mais pas moi. Moi, tu sais, mes valeurs sont constamment... challenger? Ben oui, tu sais, j'ai... Tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, je pense que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais tu fais, ben écoute, puis je veux pas imposer mes valeurs aux autres. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas ma société, là, tu sais, j'ai 53 ans, là, tu sais, ça serait tellement mieux si c'était le même. Tu sais, moi, avoir raison, là, c'est un combat que j'ai abandonné. Tu sais, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer d'avoir raison pour m'apercevoir, je te dirais à la cinquantaine, que tu fais, mais non, avoir raison, ça donne absolument rien. Fait, tu sais, j'essaie d'avoir de la compassion, de pas donner mon opinion. Tu sais. Il y a du monde, je les trouve tellement épais. Tu vas écrire une chance que tu es venu donner ton opinion. Puis souvent, ces mêmes gens-là qui donnent leur opinion font « Hey, ton opinion, là, on s'en sert, on veut rien savoir, on s'en crisse, tu te fais « OK, mais toi, tu donnes la tienne. Ouais, parce que ça, c'est vraiment intéressant. » Je trouve que le monde se sent bien important. En tout cas, en arrière d'un clavier, ils se sentent bien importants. Totalement. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, j'avais la tendance à répondre aux gens puis à essayer d'avoir des polémiques. Écoute, c'est fou le niveau d'énergie que j'ai dépensé là-dedans. Fait que j'essaie d'être une bonne personne, mais je le fais sans que ça paraisse, tu sais, sans l'exposer sur les réseaux sociaux. Je comprends. Puis, tu parlais aussi, bon, parce qu'il y a quelque chose de quand même tristement drôle dans le fait que peut-être que tu te reconnais plus dans la société, dans comme tes valeurs, peut-être par rapport à ce qui est véhiculé. Ça doit quand même te rentrer dedans. T'sais, ça fait chier en crise, me semble. T'sais, je t'écoute parler, je suis comme « fuck, c'est plate en esti, ça, là. » Ben, oui puis non. Tu sais, je pense que, tu sais, d'une certaine façon, ce qui a fait que j'ai eu du succès dans mon métier en humour, c'est que je vois les choses d'une façon... tu sais, je pense que je suis bon pour penser en dehors de la boîte, là, tu sais. Oui, totalement. Tu sais, je pense que quand vient le temps de dire ce qu'il faut, puis que, tu sais, je pense qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi là-dedans, tu sais, que je suis plus un élément qui va amener, un élément perturbateur, qui va amener du doute, qui va... tu sais, je pense que je suis meilleur quand vient le temps de faire douter des... C'est ça, tu sais. Fait, je pense que c'est pour ça aussi que mes valeurs sont confrontées, mais ceci étant dit, je pense que je suis quand même quelqu'un qui a de la compassion pour les autres, là, tu sais. Je veux pas qu'on pense... non, mais tu sais, quand je dis que mes valeurs sont complètement confrontées, c'est pas... mon Dieu, je trouve qu'on est trop compatissant envers les gens qui souffrent, là, tu sais, c'est pas ça du tout, là, tu sais. Ah ouais. Mais, ouais, tu sais, j'ai des exemples dans la tête, puis que je tiens pas, tu vois, à donner, parce que je sais que ça va être un procès d'intention, puis ça va amener des débats complètement stériles auxquels ça ne me tente pas de participer, parce que, tu sais, je l'ai assez fait, là, être ça célèbre, puis être dans des scandales. Tu sais, tu es dans des scandales, tu n'as absolument rien fait, là. Ah ouais. Tu sais, c'est fou quand même. Tu sais, c'est... Puis toi, on sait bien, merci. Toi, tu penses que... Puis ça, c'est une autre affaire. T'sais, j'ai remarqué que les gens qui t'accusent de quelque chose, souvent, ce qu'ils font, c'est de la projection
sur toujours, eux-mêmes, même. Sur toi, tu sais. Mm-hmm. Fait, tu sais, font... Toi, merci, on sait bien, si depuis que tu es connu, tu fais tout ce qui bouge, tu fais non. Mais ce que je comprends, c'est que toi, si tu étais connu, ça irait par là. Hein? Ah ouais. Ouais, ça y transpose sur toi ce qu'il voudrait bien faire s'il était connu. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je me suis aperçu que souvent, les gens te reprochent leur travers à eux. Ouais, ouais. Plutôt que, tu sais, des fois, tu fais, ben non, c'est... Tu sais, des fois, tu fais, mais d'où c'est que ça sort? Toute cette haine-là, comment cette personne-là peut me détester à ce point-là? Je me dis, c'est qui? Est-ce que tu transposes ça des fois sur ton entourage proche, ce que tu viens de dire? Je m'explique. Là, je tiens à préciser que tu as fait d'excellents podcasts avec des amis comme Thomas Levac, Jer Allen, ouais, François Charon aussi. J'ai tout écouté ça parce que mon but, c'est d'essayer de t'amener ailleurs ou d'approfondir certains trucs que moi, ça me tente d'approfondir. Ouais. Je te pose la question parce que, on l'a dit tantôt, ton père est décédé très jeune. Tu étais dans une maison bigénérationnelle. Puis ouais. Ta grand-mère, ton grand-père, entre autres, te véhiculait, évidemment, sans mauvaise intention, des valeurs de son temps. Ouais. Est-ce que tu en as déjà voulu? Est-ce qu'à un moment donné, quand tu vieillis, tu réalises, tu es comme, mais oui, mais ça n'a pas de calice de sens. Qu'est-ce qu'il me disait le bonhomme? Il y a même un de tes oncles qui te disait, c'est pas grave si ta job est de la merde. Parce que tu travailles 8 heures par jour, si tu as du cash, il va te rester 16 heures pour en profiter. Ouais. Quand tu absorbes ça, le moment que tu réalises, ça n'a pas de crise de sens, même si c'est des gens de ta famille, comment tu as réagi? T'es-tu allé leur dire comme, hey? Je ne les en ai jamais voulu parce que mon grand-père aussi était complètement dépassé par la société. Tu sais, mon grand-père, il me disait, c'est correct de se battre, mais toujours un contre un. Puis là, tu fais, OK. Vraisemblablement, il n'est pas au courant que le monde se bat avec des couteaux aujourd'hui, c'est un cours d'école. Donc, c'est pas correct de se battre. Puis, un contre un, c'est plus ça, le grand-père. Là. C'est vraiment plus ça. Là. Tu vas passer pour un idiot là, si tu y vas un contre un. Il me transmettait des valeurs d'honneur, tu sais, que tu fais, ouais, l'honneur, là, c'est quelque chose de complètement galvaudé aujourd'hui, tu sais. Dans le temps, tu sais, quelqu'un qui se toulait, il se faisait tuer, là, maintenant, c'est des héros, tu sais, qui dénoncent, tu sais. Fait, j'en ai pas voulu. Par contre, il y a une affaire que moi, je m'en suis toujours voulu, c'est... ça vient de mon éducation, mais moi, j'ai passé ma vie à avoir peur, puis honnêtement, à me sentir de trop. Partout où j'allais, je me suis jamais bien senti en société. T'sais. Moi, avec les gars, ça a toujours bien été, ça a toujours bien passé. T'sais, je sais, je comprends le code. Je comprends le code. T'sais, tu dis pas à un gars crème ta blonde de tabarnak, méchante boule après ça. T'sais, je le comprends, ce code-là. On n'a pas eu à me l'expliquer, je l'ai compris. Là, t'sais, quand un gars arrive en reniflant, puis m'as-tu traité de tapette? T'sais, t'sais, la bonne réponse, c'est non. Non. Parce que, ou à moins que ça te tente de t'essayer avec, là, parce que c'est pas probablement ça qui s'en vient. T'sais. Avec les gars, le code, je le comprends. Avec les femmes, moi, je te fais une confidence. Moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup en réaction contre les femmes. Je trouvais qu'ils pensaient pas de la bonne façon, comprendre. Ils pensaient pas comme moi. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est la bonne façon, là, comme moi. Là, si tu penses la même affaire comme moi, tu penses de la bonne façon. Puis, ça me choquait de voir que souvent, ils avaient raison, que c'était eux autres qui avaient raison. Puis, ils me disaient, ben là, si la vie leur donne raison, ils ne penseront jamais de la bonne façon. C'est drôle. Mais tu sais, j'étais jeune. Ben oui, oui, oui. Tu sais, moi, je les ai toutes faites, les erreurs. Tu sais, moi, j'avais une... Tu sais, les erreurs d'imbéciles, là. Comme? Tu sais, dire à... Anne Blonde, tu sais, tu me trouves-tu, est-ce que tu me trouves plus belle que Annick? Tu sais, tu fais, ben Annick, puis toi, c'est pas pareil, là, tu sais, Annick, c'est comme un super pétard, là, tu sais, c'est le genre de fille que tu rentres à ton bras, puis que
tu sais que tous les gars vont faire waouh, tu vas à Pitoune que Mercier s'est pogné. Tandis que toi, c'est ton intelligence, c'est ta personnalité. Et j'étais persuadé, persuadé que je faisais un compliment. c'est ce genre d'erreur-là. Mais tu vois, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas d'humoriste qui nous montrait à vivre. Parce que ça, je l'ai appris plus tard, tu sais, en écoutant des un gars de fille, en écrivant dessus aussi, tu sais, ah ouais. Ben justement, j'avais bien des affaires à dire là-dessus, je les avais toutes faites, les erreurs. Mais moi, je les ai toutes faites, tu sais, J'allais dire, puis le pire, si on m'avait dit ça, tu sais, mettons, on me dit, penses-tu que Jean-François Mercier était plus du type à être maladroit, à faire des erreurs avec les filles que l'inverse? On dirait que mon réflexe aurait été de répondre, ah, il devait quand même être bon. Parce que je me dis, tu sais, en plus, le départ de ton père. Non, mais tu sais, je me suis dit, il est peut-être dû. Peut-être à cause de sa mère, vu que le père, ton père, t'avais pas ton papa, je me suis dit, peut-être devenu fusionnel avec sa mère, puis sa mère, il a donc tout appris quoi dire et ne pas dire à une femme, mais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Arrêtez mon premier réflexe. Oui. Ma mère était occupée à être soutien de famille. Fait qu'elle travaillait beaucoup. Elle arrivait, elle était fatiguée. Fait que moi, je vivais dans une maison bigénérationnelle. Fait j'étais élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère, qui était son préféré. N'importe quoi j'aurais fait, c'était jamais de ma faute. T'sais, j'étais toujours parfait. C'était l'amour inconditionnel. Moi, c'était ma grand-mère qui me le donnait. OK. Parce que ma mère se retrouvait à faire les deux rôles, tu sais, le rôle de père et le rôle de mère. Donc, tu sais, d'ordinaire, là, tu sais, là, je sais, c'est plus tout à fait comme ça, mais tu sais, avant, moi, quand j'étais jeune, ta mère t'aimait inconditionnellement. Puis ton père, il fallait que tu mérites son amour. Fait que c'était ton père qui te poussait à sauter du gros tremplin. Puis tu sais, quand tu revenais, il était il n'a pas sauté. Ton père avait honte, il m'a fait honte, puis tout. Il ne parlait pas dans le char, puis il boudait, puis là, ta mère faisait, ben voyons, genre, putain, c'est pas grave, là, tu sais, puis j'ai tellement eu honte, puis tout. Fait, tu sais, ton père te poussait à avancer parce que tu voulais gagner son amour, puis quand tu te plantais, ben ta mère te ramassait. Tu sais, c'était un peu comme ça. Mais moi, ma mère se retrouvait à faire les deux rôles. Fait, c'est ma grand-mère qui m'a aimé inconditionnellement. Puis j'ai eu les valeurs de mon grand-père, mais sauf que le modèle que j'avais, c'était un modèle à l'ancienne. En fait, moi, je n'étais pas préparé en rien. Puis comme je te dis, plus jeune, j'étais beaucoup en réaction sur la façon de penser des femmes. Fait, moi, je me disais, ils n'ont pas raison. Puis je me choquais. Et moi, ma vie a commencé à bien aller quand, au lieu de me révolté de la différence, je me suis mis à m'en amuser. Puis que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, ça ne changera pas. Tu sais, ça... Ça va continuer, là, tu sais, les femmes vont rester des femmes, puis les hommes vont rester des hommes, puis ça sert à rien de se lancer à la faute. Vous autres, vous êtes de même, puis vous autres, vous êtes de même, tu sais, c'est à un moment donné, faut que tu t'amuses de ça. Moi, quand j'ai fait ça, ma vie a changé complètement. C'est devenu, ma relation avec les femmes est devenue beaucoup plus agréable. Mais tu sais, avant ça, j'en ai fait des erreurs, là, tu sais, moi, ma blonde me disait... Mais pourquoi t'as pas encore baissé le siège de ta toilette, mais c'est encore assez les fesses dans l'eau, puis je te regardais, j'étais là... Mais voyons, t'es bien conne, tu me dis que tu t'assieds encore les fesses dans l'eau sans regarder? Chris, même le chien est plus intelligent que toi, là. C'est quoi, est-ce-tu? Va falloir que je t'électrocute la noune, est-ce-tu? La première fois que tu t'assieds pour que t'allumes, est-ce-tu? C'est quoi, là? Fait tu sais, je l'avais pas, là. T'sais, c'était pas... Non. Elle a pas dit, tu sais, moi, j'ai une blonde m'a dit, c'est drôle, là, moi, j'en ai parlé avec tous mes amis, mais... Ils me disent tout que ça n'a pas de sens. J'ai fait, c'est drôle, moi, quand j'entends le Mitchum, ils me disent tout que c'est-tu fait que c'est une grosse folle. Tabarnak! Why? Que, c'est ça, je les ai faites, là, les erreurs. Avec quel âge, JF? Moi, écoute, je disais à ma blonde, ben là, dans combien de temps t'es prête? Dans 15 minutes. Puis évidemment, ben, 45 minutes après, là, je fatiguais. Là, j'étais là, on est une demi-heure en retard, puis on n'est pas encore parti. Mais j'allais avoir, ben là, 15 minutes, là, j'étais là, ça va faire le maquillage. Là. Mets-toi un masque de Jean Chrétien d'en face, ça va faire le meilleur job. Parce que en vrai, t'as ton église. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai. Ouais. Mais évidemment, à un moment donné, tu apprends, tu sais, puis tu fais, ben là, je ne vais pas passer ma vie à être en réaction, tu sais. Puis en vieillissant aussi, tu as moins d'énergie pour ça, là. Tu fais, là,
tu sais, l'expression choisir ses combats, mm-hmm. tu fais là, c'est pas vrai que je vais me pogner avec la personne que j'aime pour des conneries. Puis, tu sais, ça laisse des traces, hein, parce que ça, tu sais, quand tu dis ça à ta blonde, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais les femmes, ça oublie pas, hein. Ça... Surtout pas des commentaires du genre. Là, t'es là, tu fais. T'es là, voyons, ça fait 10 ans que c'est arrivé. Là. Tu vas-tu m'écœurer avec ça à tous les fois que. Voyons, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai appris et maintenant, tu sais, j'ai plus d'expérience. Je sais plus aussi qu'est-ce que je recherche, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, je suis avec une fille que, tu sais, que je te dirais que je suis comblé, tu sais, de... Je sais pas, en tout cas, j'espère qu'elle l'écoutera pas, là, parce que ça va lui monter la tête, puis, tu sais. Mais, tu sais, on a du fun ensemble, on rit, puis à quelque part, moi, c'est ça qui est le plus important, tu sais. Plus jeune, tu sais, ça aurait été comme peut-être le sexe qui aurait été le plus important, mm-hmm. mais là, c'est vraiment de rire, puis d'avoir du fun, parce que quand tu ris avec quelqu'un, tu développes de la complicité, puis, tu sais, ouais. Quand tu as de la complicité avec une personne, moi, c'est l'affaire que je veux pas perdre. Un regard, puis tu te comprends. Mm-hmm. Elle a accès aussi à la partie de toi. Tu sais, moi, des fois, je niaise, là, tu sais, chez nous, je vais dire des affaires, puis je suis sûr que tu fais la même affaire, que tu fais, faudrait pas que ma blonde me filme qu'elle mette ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est certain que j'ai plus de carrière. Le monde comprendra pas le contexte. Non, c'est ça. Que je niaisais. Mais tu sais, tu fais... Tu sais, moi, dire à ma blonde, je dis, quoi, tu veux que je t'en pète une, c'est ça? C'est ça? Là, ça va faire. Puis elle rit, elle trouve ça drôle parce qu'elle sait que ça n'arrivera pas. Et évidemment, tu sais, si tu montes ça, le monde va faire, mais moi, je trouve pas ça drôle, rire des femmes battues. Je fais, ben non, ben moi non plus. Tu sais, mais c'est ça. Mais mm-hmm. avec ma blonde, avec qui j'ai une complicité, tu vois, ça fonctionne au bout. Là, mm-hmm. Ah ouais, je comprends. Puis tantôt, tu disais, à partir quand tu as comme plus lâché prise, ta vie s'est mise à mieux aller. T'avais quel âge à peu près? T'avais-tu comme plus 19 ou 35? Ou... Je sais pas quoi répondre à ça. Dans le sens que je pense que j'ai appris toute ma vie, mais je te dirais, j'ai pogné de quoi à l'adolescence. Moi, écoute, il y a eu quand même une fille qui a été. Que je ne connais pas, hein, que je. Mais il y a eu une fille qui a vraiment été. Elle m'a servi une leçon de vie, probablement sans même le savoir, tu sais. Puis moi, je ne prenais pas avec des filles. Oh, surprise, tu sais. Pourtant, beau bonhomme, la parole facile, respectueux de la femme. Mais, tu sais, tu comprends? Moi, mon combat, ça a vraiment été de me faire accepter par les gars. Ça, je l'avais tout de suite, tu sais. Tu sais, tu sais, quand tu réussis à faire rire les gars, ben, tu te sauves bien des tapes à la gueule, puis t'as bien des passes droits, puis... Ouais, Mais avec les femmes, ça a toujours été plus difficile. Et moi, honnêtement, la quête de ma vie, ça a toujours été de me faire accepter par les femmes. Fait, tu lis dans un magazine où, tu sais, j'écoutais Jeannette Bertrand, puis, tu sais, les filles disent qu'ils aiment le sexe, elles écoutaient parler, ils aiment le sexe, puis tu fais, tu sais, mais aucune fille veut coucher avec moi, fait, tu fais, c'est quoi la conclusion que t'as? Tu fais, ils aiment le sexe, mais clairement pas avec moi, là, parce que ça fonctionne pas, là, tu sais, t'es pas en demande, t'es pas sexy, tu sais, t'es... C'est dur, ça, de faire « OK ». Mm-hmm. C'est dur de le prendre et de faire hey, « c'est probablement de ma faute. » C'est pas de la leur, c'est de la mienne. On a plus tendance à jeter la faute ces autres. Puis tout ça, bref, gros préambule pour dire, à un moment donné, il y a une fille était venue backstage après un show dans un bar à salade. Ça. En tout cas, un show de marde à Saint-Eustache. En tout cas, bref. Puis elle était venue nous voir backstage, tu sais, puis elle parlait, puis tout, tu sais, puis je lui avais dit, avec beaucoup d'amertume, j'ai dit, ouais, mais tu sais, une fille comme toi, ça voudrait jamais coucher avec un gars comme moi parce que je suis trop laide, tu sais. Puis elle m'avait dit non, elle dit t'as raison, elle dit je coucherai jamais avec un gars comme toi. Mais elle dit pas parce que t'es trop laid, parce qu'elle dit quand je t'ai vu, elle dit même tu serais comme physiquement mon genre de gars, mais elle dit t'as tellement une énergie négative puis agressive
que c'est sûr que ça, ça te rend laid, puis ça te discrédite, puis tout, puis tu fais... Puis j'avais fait, puis tu sais, sur le coup, là, j'avais vraiment super mal réagi, mais ça m'est resté dans la tête. Puis à un moment donné, j'avais vu le film... comment ça s'appelle? Avec qui? Nicolas Cage, il faisait le rôle de deux jumeaux. Ils s'en vont chercher une orchidée. Noémie, si tu nous entends, tu peux le googler, tu me l'écriras, Noémie. C'est Nicolas Cage. Les jumeaux, ça me dit de quoi, Anesti? Je suis sûr, quand je vais le savoir, il m'a fait ben oui, c'est une cave. Nicolas Cage fait les deux rôles des deux frères qui sont jumeaux, fait qu'ils ont la même face, ils sont pareils. Et il y en a un, il pogne pas avec les filles, c'est un loser total. Et l'autre, c'est Nicolas Cage, t'as les deux, c'est le même gars. Et l'autre, il pogne avec les filles, puis tout, puis tu le regardes aller, puis c'est une belle performance d'acteur, parce que tu comprends pourquoi le loser pogne pas, puis que l'autre, il pogne au bout. L'autre, il est sûr de lui. Tu sais ce qui plaît aux femmes, là, un gars qui est sûr de lui? Lui, il est sûr de lui. Il a l'affaire, c'est au bout. Tu sais, c'est... Puis j'étais là. C'est exactement ce que la fille me disait. Tu sais, des fois, tu sais, on a souvent tendance, Sam, à essayer de changer le monde. Et changer le monde, c'est impossible. Mm-hmm. Mais changer soi-même, c'est pas facile, là, mais c'est quand même plus facile que de changer le monde. Tu sais, c'est... mais ça devient d'où, cette quête-là, tu disais vraiment comme de plaire aux femmes. Tu l'expliques comment, ça, ce désir-là si fort de vouloir vraiment... On veut tout plaire aux femmes, mais de la façon que tu en parles, c'est comme si c'était un petit plus un de ton côté. Ça part-tu de quelque chose ou ben non? Ben, je pense c'est que je pense qu'on se définit comme gars hétérosexuel par rapport aux femmes. Là, c'est... puis moi, j'ai toujours pensé que j'avais de la valeur par rapport aux femmes. Je comprends. C'est pas les gars qui vont me donner de la valeur. Mm-hmm. Même à quelque part, ça, je l'ai. T'sais, c'est comme... C'est pas une quête. T'sais, c'est pas... que les gars m'aiment plus, c'est pas une quête. T'sais, c'est... la quête, c'est vraiment... à quelque part, c'est d'en être privé, t'sais, de faire... Ben, coudonc, puis, tu sais, c'était quelque chose, tu sais, c'est comme si de pas plaire aux femmes, puis, tu sais, encore là, comprendre, femme que je mets dans la catégorie, je voudrais coucher avec, là, tu sais, parce que les mamans, là, j'ai jamais eu de problème avec les mères, tu sais, juste au contraire, je trouvais que j'étais un bon parti, tu sais, tu sais, j'allais à l'université, puis tu sais, c'est parfait, ça, c'est bon petit gars-là, comme on les aime, tu sais. Ah ouais. Fait, tu sais, c'est comme si j'étais pas valable comme être humain à cause que les femmes s'intéressaient pas à moi. Fait, tu sais, je pense que c'est de là que ça vient. Je comprends. De pas avoir eu de père aussi, tu sais, c'est sûr, c'est comme un gros handicap là-dessus parce que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, mais tu sais, si j'avais un petit gars, je saurais quoi dire. Là. Je dirais, va parler aux filles, là, mets cet orgueil-là de côté. Tu sais, celle que j'avais, de la peur du rejet, puis de. Tu sais, tu fais, écoute, il y a des affaires que ça prend un homme, tu sais, que ma mère pouvait pas me donner, puis que mon grand-père était tellement en amour avec ma grand-mère, elle en revenait tellement pas de la chance qu'il avait eu de mettre la main sur cette femme-là, là, tu sais, fait que, tu sais, lui, tu sais, c'était comme, tu sais, tu te mariais, t'avais une femme dans ta vie, t'en connaissais pas d'autres, tu sais, il mettait pas d'un grand secours, tu sais, de pas avoir eu de père, de pas avoir eu accès à ça, de pas avoir eu, j'aurais eu besoin d'avoir des conseils d'un homme qui a connu ça, tu sais, puis, tu sais, c'est... je sais pas comment dire, tu sais, moi, tu sais, si j'avais des enfants, si tu me demandes si j'aimerais mieux avoir un gars ou une fille, plus jeune, j'aurais aimé mieux avoir un gars. Et là, je pense que j'aimerais mieux avoir une fille. T'sais. Ah ouais, hein? Ouais, je trouve ça...
Bon, je pense que tu es rendu à l'adolescence, c'est plus inquiétant d'avoir une fille, puis c'est plus challengeant aussi parce que, tu sais, comme gars, justement, tu connais pas tous tes codes, là. Tu sais, il y a des affaires que, tu sais, de toute façon, souvent, tu sais, même avec mes nièces, là, je m'appuie sur ma blonde, tu sais, parce que... Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, vous n'avez aucune idée, là, qu'est-ce que ça veut, mettons, tu sais, comme un cadeau, là, tu sais, il y a des affaires que tu fais, ça doit être hot, là, puis il fallait, non. Comme ça, tu sais, tu fais, ah, Caroline, merci, je viens de sauver beaucoup d'argent, tu sais. Et justement, le fait de... Tu sais, quelque chose à laquelle tu penses souvent, là, de Chris, non seulement j'ai pas d'enfant, puis je pense pas de l'avoir non plus jamais. Ça a-tu été un... Je dirais pas échec dans ta vie, mais est-ce que t'en voulais, t'en as pas eu, ou ça a tout le temps été clair pour toi quand même que tu serais pas père? Plus jeune, je voulais avoir des enfants. Okay. Mais j'étais avec une fille qui en voulait pas. Tu sais comment ça marche? Quand t'en veux et t'es avec une fille qui en veut pas, t'en as pas. En général, quand t'en veux pas. Quand t'en veux pas, t'es avec une fille qui en veut, t'en as. T'sais, oh, bizarrement, surprise, la pilule n'a pas marché. Moi, oups, je suis en train de perdre. Les écouteurs? Je suis en train de te perdre en stéréo. Bon. As-tu pensé, ben, il n'y a pas un moment donné, tu l'aimais assez pour rester quand même parce que tu aurais pu quitter la fille et dire ben moi j'en veux, fait que je vais aller m'en chercher une fille qui veut des enfants. J'étais pas rendu là. Mais ça, on embarque dans un autre sujet. Mais j'ai été 10 ans avec cette fille-là. On n'est pas obligé d'y aller si tu veux pas, il n'y a pas de stress. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est dans le sens que tu vois, encore là, j'aurais pas beaucoup d'expérience. Et probablement qu'on aurait dû se quitter après 7 ans. Après 7 ans, la relation était vraiment finie. Mais aucun des deux, tu sais, premièrement, on voyait ça comme un échec, là, tu sais, car dans le fond, je sais pas pourquoi qu'on attribue l'étiquette échec quand une relation se termine, quand t'as fait juste se terminer, tu sais, au contraire, même, je trouve qu'il faut avoir du courage, puis tu sais, quand on a du courage, on devrait jamais utiliser le mot échec, tu sais, parce que tu sais que c'est quelque chose qui fait de la peine à quelqu'un. Il y a une annonce à la TV. Je sais que le monde n'a plus à la TV, mais moi, en bon dinosaure, j'ai encore à la TV. Mais il y a une annonce, c'est plein d'œufs partout, puis ils disent une séparation, c'est comme marcher sur des œufs. Ouais. Mais effectivement, tu sais que tu fais de la peine, tu sais qu'il y a des affaires, tu sais qu'il va y avoir probablement aussi de la haine, comme dans la chanson de Daniel Bélanger, là, je pensais jamais que l'amour pouvait créer de la haine de cette façon. Mais tu sais, parce que c'est un processus normal de se détacher d'une autre personne, mais on aurait dû, quand on y repense, se laisser après 7 ans. Probablement qu'on se parlera encore si on s'était laissé avant. Tu sais. OK. Tandis que là, ben, tu sais, c'est comme on était ensemble trop longtemps, puis tu sais, je connaissais cette personne-là à un point où je savais comment y faire péter les plombs en quelques secondes. Et elle avec, là, tu sais. Elle le faisait, puis je le faisais, puis on n'était pas fin là, envers l'autre. Puis tu sais, quand t'es rendu comme ça, ouais. Hey, laisse-toi donc. Tu sais, des fois, tu sais, le lâcher-prise, là, ça marche aussi pour les relations, tu sais. Mm-hmm. Des fois, la relation est juste finie. Puis, c'est normal au début, tu sais pas, tu sais, dans un couple, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Fait que tu te dis, ben, on est peut-être juste dans un bas, tu sais. Mais quand ça fait un an que ton bas est dur, ben, c'est peut-être fini, tu sais. C'est quand t'as jamais plus de haut, puis que, tu sais, que t'as plus de désir, que t'as plus de fun, tu sais, c'est quand même court, la vie, hein, tu sais. Fait pis. Très court. Cool. Même si t'es avec quelqu'un qui t'aime et que tu l'aimes plus, tu sais, je pense que par respect pour cette personne-là, tu sais, même si tu le fais pas pour toi, là, tu sais, parce que tu sais, ça prend quand même, hey, moi, j'ai déjà un chum qui m'a dit, hey, j'en reviens pas que t'ailles laisser ta blonde, hey, félicitations, ça prend vraiment du courage faire ça. Ben, toi, quand c'est fini avec une fille, tu fais quoi? Ah, dis-moi, je la trompe jusqu'à temps qu'elle me pomme, tu sais, je suis pas capable de t'y laisser. ouais. Puis tu vois, je suis obligé de te dire que moi j'ai des filles que quand ça s'est bien fait, puis ta fille est encore en amour, a eu de la misère à décrocher, puis je suis obligé de te dire que je repensais à ce gars-là, puis que je nommerai pas parce que probablement que tu le connais.
je pensais à ce gars-là, puis je me disais, hey, si je l'avais trompé jusqu'à temps qu'elle me pogne, là, ça serait cassé. Là, là il n'aurait pas de problème. On... Ouais. Sur le coup, c'est plus facile, mais les séquelles après sont plus rough. Mais justement, tu sais, quand tu n'aimes plus quelqu'un, dis-y. La vie, c'est court. Enlève-y pas ces années-là. Tu sais, c'est bien oui, elle va avoir de la peine, cette personne-là. Ben oui, elle va t'haïr. Puis ben non, c'est pas le fun. Puis, tu sais, aussi quand tu es jeune, tu sais, à se laisser, il y a quelque chose de. Tu sais, il y a bien des couples qui restent ensemble. On va se le dire, il n'y a plus d'amour. Là. C'est plus parce que ça prend quelqu'un pour partager le loyer, puis payer le compte d'électricité à deux, c'est moins cher. T'sais, souvent, c'est plus un arrangement de business qu'une affaire d'amour. Tu fais, écoute, je comprends que pour la business, c'est mieux, là, mais laisse-toi quand même. La vie, c'est court. Là. La vie, là, à la fin d'une vie, là, d'avoir eu une année financière rough, là, ça compte pour rien. Là, non, c'est ça. T'sais, c'est... Fais pas perdre le temps à quelqu'un. Tu sais, il y en a qui sont en couple, comme on passe des entrevues. Tu sais, ils font, ben c'est plus facile d'avoir la job quand t'as déjà une autre job. Tu sais, c'est plus facile de passer d'une job à l'autre que d'être sur le chômage. Tu fais non, mets-toi sur le chômage. Là, tu sais, laisse la fille, laisse le temps passer. Puis quand ça sera, tu sais, quand ça sera le temps, tu reprendras une autre relation. C'est sur des meilleures bases. Puis tu vas être un être humain. Tu vas avoir moins de regrets quand tu vas mourir. Est-ce que, oui, idéalement, est-ce que tu te projettes avec ta blonde actuelle? Tu penses-tu au futur? Tu te vois-tu vraiment loin ou ben non, t'es comme. Je vais me faire rire, je pense. Moi, ma blonde actuelle, je pense que c'est ma dernière blonde. Je pense que j'ai plus d'autres blondes après elle. Par contre, je pense pas que je suis son dernier chum. Ouais. Quand tu es un petit peu plus jeune, tu comprendras. Oui, je commençais à déduire. Là. 14 ans. 14 ans. En haut de 12, c'est acceptable, ça a l'air. Mais on a quand même une bonne différence d'âge. Puis ça, c'est dur à vivre. Ouais. Surtout avec les femmes de mon âge. OK. C'est comme s'ils ne prennent pas. Là. T'sais, ils sont. T'écoutes les beaux malaises? Oui. Bon, tu sais, ce que Martin avait vécu avec la caissière à la pharmacie. Oui, oui, oui. Bon, moi, ça se dit relativement souvent. Puis je trouve sa réponse, écoute, je vais la prendre. C'est le fun, tu sais, au moins, t'es pas amer. Ah ouais. C'est... Ouais. T'es confronté à ça. Ouais. Ça aussi, ça a de quoi de. Ça a de quoi de. Challengeant pour moi, dans le sens que je fais, ben voyons, je peux pas être heureux, tabarnak. Je peux pas être avec la personne que j'aime. C'est quoi ces hosties de jugement-là? Ouais, ouais. Puis moi, des fois, je fais, ben voyons, si elle est heureuse, puis je suis heureux, ça peut bien vous progresser. Puis tu sais, moi, je suis pas avec parce que j'aime, tu sais, ça s'est donné que je suis tombé en amour avec une fille plus jeune, mais elle aurait pu être plus vieille, là, tu sais, c'est pas. T'sais, pour coucher avec, là, j'avais pas eu besoin d'être en amour. Là. T'sais, c'était fait, là. T'sais, ouais. T'sais, c'était pas. T'sais, j'avais couché avec, là. Puis à un moment donné, quand t'es célibataire, tu fais de la tournée, à un moment donné, principe de baiser, là, tu l'as compris. Là, t'sais, à un moment donné, tu fais OK, je pense que je sais que. OK, je pense que j'ai compris comment ça fonctionne. C'est pas si compliqué que ça. T'sais. Fait que. C'est vraiment, pour moi, c'est clair que dans ma tête, je me mets moins, mais tu sais, quand on fait de la scène, on joue un petit peu au-dessus de notre ligue aussi, là, tu fais, bon, je suis pas sûr que si j'avais été plombier, mettons, que j'aurais... J'avais intéressé la même fille, tu sais. Il y a déjà gars comme fille, là, que peu importe l'humoriste, chanteur, comédien, j'ai déjà connu des gens, moi, qui disaient ça. Ben, c'est pas mon genre, mais tu sais, me fourrer quelqu'un de connu, est-ce que je fais ça malade en esti? T'sais, et ça, ça m'avait frappé de « Ah ouais, non, je le trouvais pas beau nécessairement, mais comme de ramener cette information-là de
j'ai sucé et fourré un tel. Je suis comme, tabarnak! Mais moi, tu vois, je comprends exactement c'est quoi, dans le sens que ça fait de quoi compter. Tu sais, quand t'es avec ton... Non, c'est vrai. Qui est avec son mari, qui a eu des enfants, c'est le sien, là, c'est son homme, tu sais, ils ont deux petits chicanes, mais tu sais, ils sont bien ensemble, tu sais, écoute, ils ont une belle vie, là, tu sais. Puis, à un moment donné, tu sais, la petite fille ou le petit gars, il dit, « Toi, maman, t'as-tu rencontré des garçons avant papa? » Puis, il fait, « Ben, à un moment donné, rencontré... » Là, écoute, c'est une merde, là, il est en déchéance, là, tu sais. Mais avant, tu sais, c'était quelqu'un de hop. Puis, maman avait eu... était embarqué sur sa moto, puis il m'avait amené. Puis, on avait passé une belle soirée ensemble. Puis, tout, écoute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal là-dedans, tu sais, ça fait de quoi à compter, tu sais, de la même façon que, tu sais, ben, probablement toi aussi, là, tu sais, des fois, tu te fais proposer de quoi, puis tu fais, ben, regarde, j'ai pas de, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis fait proposer par vraiment une belle fille, tu sais, ils font des soirées, font des orgies, là, tu sais. Ah ouais. Tu te venir, elle me donne son adresse, elle dit, c'est chez nous, elle me donne son adresse, une grosse maison sur le bord de l'eau. Je suis pas allé, mais j'avais une blonde. J'ai dit, ben, moi, j'ai une blonde, elle dit, ben, encore mieux, maintenant. Et ça prend, hein. Mais honnêtement, tu sais, je suis pas allé, mais ça a été une des propositions qui m'a comme fait le plus plaisir dans toute ma vie. Ah ouais. J'ai fait quand même. Je suis encore en vie. Est-ce que ça t'a... je peux encore attendre quelque chose de vie. Il m'arrive encore des affaires. Est-ce que ça t'a fait plus plaisir que mon invitation au podcast ou pas mal égal? Ah, moi, des podcasts, je ne veux pas en faire. Moi, j'ai fait le tien parce que tu disais que c'était un podcast. Un podcast. J'ai fait, mon Dieu, ça n'a jamais fait ça, un podcast. Je suis content de parler croche. Mais même là, dans tes années bon, de célibat, là, puis, ça y allait par là, mettons. Est-ce que tu arrivais à te dire est-ce que tu arrivais à te trouver beau et séduisant ou tu remettais ça sur le côté, bon, ça doit être là, c'est juste parce que je suis connu, je le sais que je suis pas beau, même si perso, je trouve que tu es un bel homme, là. Mais est-ce que tu arrivais à l'apprécier ou tu tombais plus du côté un peu amer de la chose de « c'est parce que je suis connu ». Ben moi, comme je te dis, souvent les gens m'en voulaient. Là, t'sais, tu pars avec une fille dans un bar, puis les gars viennent te voir ou les filles, puis fait « penses-tu que si t'étais pas connu, que t'aurais pogné cette fille-là ?» Puis tu sais, je répondais « ben regarde, je l'ai essayé, pas connu, puis je pognais pas pantoute. Fait, t'sais, j'ai essayé les deux. Puis je pense que j'aime mieux être connu pour cet aspect-là. T'sais. Pour cet aspect-là, je pense que j'aime mieux ça. T'sais. Mais tu sais, encore là, t'sais, moi, ça... Tu sais, tu fais... Mais en quoi ça te dérange? T'sais, en quoi ça... Tu sais, elle serait pas partie avec toi, cette fille-là. Tu sais, je comprends pas là, pourquoi ça te dérange. Tu sais, c'est... Moi, c'est ça. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours laissé un peu... peut-être parce que moi, j'aime les gens foncièrement, tu sais, que je fais... Ben voyons, pourquoi le monde m'en veut d'être heureux? Puis tu sais, j'essaie de faire attention, tu sais, pour pas faire chier les gens avec leur avec mon bonheur. Tu sais, j'essaie, tu sais, de pas trop l'étaler, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux, puis que, tu sais, ça les fait chier, là, tu sais. J'essaie de pas le faire, mais tu sais, tu fais, OK, pourquoi t'es heureux, mettons, de son bonheur à elle, puis t'es pas heureux du mien? En tout cas, bref, ben, j'imagine que parce qu'il se projette sur moi, puis il s'aime pas. C'est, ben ouais. Honnêtement, des fois, ça a de l'air niaiseux, mais si tu creuses, puis pour les fois que c'est arrivé, tu fais « Ah, Colin, c'est ça, il se projette sur moi, puis il s'aime pas, fait qu'il m'aime pas. » Puis il s'autorise pas à être heureux, fait qu'il m'autorise pas à être heureux, vu qu'il se projette sur moi. C'est souvent ça. Plus souvent qu'autrement, c'est ça. Puis en plus, je veux pas te faire reparler de ça, parce que t'en as déjà beaucoup parlé en entrevue, mais je veux juste frôler le sujet de, si c'était à refaire, est-ce que t'appellerais ton show le show du gros cave, ou ce dit personnage-là, qui est calissément pas le Jean-François au quotidien, t'a suivi et te suit encore. Tu sais, des fois, t'as l'impression qu'il y a des gens qui cabochons, qui pensent que t'es encore plus cave qu'eux autres, alors que
tu as quand même des hautes études, puis tu es un homme très intelligent. Si c'était à refaire, est-ce que tu replacerais tes pions? Est-ce que tu changerais ton titre de show? Est-ce que tu... Si j'avais pas fait ça, probablement que je serais pas connu, j'aurais pas de carrière, j'aurais pas de... Fait, okay. C'est dur pour moi de le regretter, mais je peux pas m'empêcher de déplorer que les mêmes gens qui vont dire « Hey, c'est pas parce qu'une fille s'habille sexy que c'est une raison pour la violer », vont faire « Asti, il a appelé son show de gros cave, ben tabarnak, c'est ça, ça veut dire qu'il veut se faire traiter de gros cave. Asti, gros calice de cave. » Puis là, tu sais, c'est comme si tu nous avais donné la permission de te mépriser, de te cracher dessus, de te battre à coups de bâton, puis de te pisser d'en face. Asti, tu fais « Ben voyons, tabarnak, vous la voyez pas, la démarche? Ta gueule! Il n'y en a pas de démarche artistique. T'es vraiment rien qu'un gros crisse de trou de cul. » Puis tu fais « Ben voyons donc, ça. » Fait, tu sais, ça, je le déplore, tu sais. Mais à quelque part, je me sens pas responsable. Tu sais, souvent, quand on est humoriste, on se fait reprocher. Tu sais, surtout quand on fait... d'humour qui n'est pas consensuel, on se fait reprocher tous les maux de la terre. Là. Tu sais, remercier que c'est pas drôle. C'est pas drôle, un viol. Tu fais, ben non, merci, je suis bien d'accord avec toi, moi non plus. Je trouve pas ça drôle. Je trouve ça extrêmement dramatique. Mais des jokes de viol, ça peut être drôle. Tu sais, et justement, moi, je jouais comme un défi de prendre quelque chose qui n'est pas drôle à la base puis de réussir à faire rire le monde avec ça. Je jouais ça vraiment. Écoute, je suis fier de tout ça. J'ai réussi quelque chose. Des fois aussi, tu sais, dans les affaires qui me rendent fier, moi, j'ai souvent instauré des expressions dans le vocabulaire courant, tu sais, comme des perruches, là, avant que je fasse un gars le soir. Il y a personne qui disait ça, hey, des petites perruches, tout. Tu sais, les cabochons. Il y a bien des affaires. Puis, quand j'écrivais Radio Enfer, souvent, tu sais, j'entendais des parents dire, hey, des jeunes avec deux expressions, puis là, tu sais, où c'est qu'ils s'en vont chercher ça, tu sais, puis tu sais, c'était Jocelyne dans Radio Enfer qui sortait des expressions plus croches. Les jeunes reprenaient ça parce qu'ils trouvaient ça super funny. Puis là, tu fais, ben moi, je le sais, c'est moi qui l'ai écrit, tu sais. ouais, c'est ça, tu sais, j'ai souvent mis des affaires dans le vocabulaire courant. Évidemment, t'as pas de royauté pour ça, tu n'as pas payé. mais t'as quand même une fierté de tout ça. Tu sais, moi, quand je réussis à faire rire les gens avec quelque chose de pas drôle, pour moi, je fais « Wow! Écoute, j'ai réussi quelque chose de vraiment hot. » Puis évidemment, ben, il y a toujours du monde pour s'offusquer de rien parce qu'ils ont trop de temps libre, tu sais. Ouais, ouais, mais moi-même, dans mon show actuellement, j'ai un numéro sur le suicide, puis j'ai déjà eu des commentaires de « Ça se fait pas rire du suicide. » Je suis comme, non, mais t'as rien compris. Je veux dire, on m'a déjà dit, ça paraît que t'as pas vécu ça. J'ai dit, Chris, mon meilleur ami s'est suicidé, calice. J'avais 19 ans, je l'ai porté à l'église, alors que la semaine d'avant, je jouais au baseball avec lui. Je veux dire, c'est. Puis, mais à un moment. Mais quand tu as dit ça, ils font. Ah, OK. Ben là, à ce moment-là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Fais, ben non, c'est pas correct. Ouais. C'est ça, là, l'affaire. C'est un œuvre, tu sais. C'est comme. Quelqu'un qui écrit. Ça, là, c'est quelque chose quand même de fascinant, Sam. C'est quelqu'un va jouer un rôle d'un assassin, d'un violeur, ou peu importe. Mm-hmm. Puis le monde va faire waouh, t'étais tellement hot dans ton. On t'a tellement haï, là. T'es bon, t'es vraiment bon. Puis toi, ouais. Tu sais, on dirait que. Mais tu vas faire des jokes, puis là, le monde fait non, non, toi, là, c'est ça que tu penses. Mm-hmm. Ben non, c'est pas ça que je pense. Tu sais, non, non, c'est ça que tu penses. Tu fais, Chris, je viens de te le dire, je te le donne. Au début, là, je te dis, c'est un show d'humour. Ouais. Ça se peut qu'il y ait des affaires qui soient fausses, qui soient pas vraies, que ça soit juste pour faire rire. C'est un spectacle d'humour. Là. Je te le donne, là, le décodeur, au départ. Là. Je te le dis, ouais. Là, c'est des blagues. C'est pas des affaires que je pense. C'est pas mes opinions. Si je te donne mes opinions, tu viendras pas le voir, le show. Ouais, c'est quand même fou que les gens n'aillent pas le second. Puis quand je dis les gens, évidemment, je le sais que c'est une minorité d'imbéciles. C'est juste que c'est la minorité qui t'écrit. C'est la minorité brûlante. Ouais. C'est la minorité au restaurant qui fait « Hey, merci, esti! Moi, là, t'as ri, là! » Des fois, tu fais « De quoi tu me parles? J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est une joke que t'as faite il y a 3 ans, tu sais. » Ah ouais. OK, OK.
OK? Moi, là, j'ai un ami, que, tu sais, moi, c'est mon chum, là, tu sais, qui était sous ponche en quartier, qui voulait se suicider, mais il l'a pas trouvé drôle, ton gag. OK? Là, on parle de... Tu sais, des gags, j'en fais beaucoup, là, tu sais, on parle de quel gag, tu sais, puis t'es là, tu fais... OK. Bon, ben, tu t'en vas quand tu veux. Non, tu sais, c'est pas... C'est dans ça, facture, bien. Là, ils ne feront pas d'escompte parce que j'écoute tous les idiots qui viennent me... Fait que tu décolles quand tu veux. Tu sais. Ouais. Hey, justement, mon numéro sur le suicide, il y a une madame, je la salue d'ailleurs si elle écoute le podcast, puis l'espace-cast. Puis l'espace-cast. elle travaille là-dedans. Elle est dans la prévention du suicide. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle est très active par rapport à ça. Puis elle était venue voir après le spectacle, puis elle dit, elle me dit qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Là, je suis comme, OK. Puis elle me dit ton numéro sur le suicide. Je fais, ouais, tu dis des choses pas possibles. Tu sais, tu peux pas dire certaines choses, mais c'était tellement drôle. Puis je te remercie parce que j'ai ri. Puis je sais que quand les gens quittent la salle, au-delà des gags, tu sais, vraiment comme elle précisait, c'est des blagues, je sais que les gens quittent en se disant, mais c'est quand même vrai, Chris, que les choses pas possibles qu'il dit, ça fait réfléchir les gens. Puis je te remercie. Je te remercie vraiment beaucoup pour ça. À me donner la main, pas de photo, pas de signature, à rien. À me donner la main avec un sourire, puis à colisser son camp. J'ai fait ce numéro-là, est à la bonne place. T'sais. Mais c'est vrai que c'est des choses pas possibles. Mais c'est un spectacle, Calis, puis elle l'a bien compris. T'sais. Moi aussi, je fais un numéro sur le suicide dans mon spectacle. OK. Mais moi, c'est vraiment... Non, c'est pas racheté. Ah, je suis sûr que toi, c'est vraiment drôle. C'est... Moi, ça part raide. Ça part tout de suite après un très, très gros rire. Puis je fais... moi, j'ai déjà été dans une pause dépressive, puis je voulais me tuer. Et le monde sont encore sur l'élan de leur rire, c'est qu'ils rient un petit peu. OK, c'est quoi? Non, c'est ça. Là, on s'en va là. On s'en va là. C'est mon show. C'est moi qui choisis où je pace mes numéros. Ouais. C'est là. T'sais. Puis, je te dis, c'est en plein milieu du show. Là. Fait, ils coupent vraiment le show en deux. Il n'y a pas d'entraide. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de rire. Et honnêtement, je sais que c'est pas si drôle que ça. Il y a beaucoup de rire de relief, là, de soulagement, ouais. Tu sais. Ouais, libérateur. De faire, oh mon Dieu! OK, là, t'attends qu'il lâche, là, parce que là, j'avais plus ça, là, tu sais. Mais tu vois, je suis extrêmement fier de ce numéro-là, mais tu sais, quand on fait des corpos, je le mets jamais, là, tu sais. Non. Moi non plus. Mais oui, ça va dans... Ben, tu sais, des fois, on parle de contexte comme ce numéro-là va bien dans l'ensemble de l'écriture, du spectacle, dans l'emballage, mais je ne vais pas te le sortir dans un corpo de 20 minutes, esti, pour moi, Jean Coutu, tu sais. Si tu me permets de faire un compliment sur toi, là, tu sais, et là, c'est d'un technicien à un autre, d'humoriste, ce que je pense que j'apprécie le plus de toi, c'est que, tu sais, puis... Là, maintenant, ça va bien, t'es connu, t'es l'Olivier de l'année, pis tout, et c'est plus facile, le monde te laisse une chance. Mais avant, quand t'arrivais, ils te connaissaient pas, puis tu sais, quand le monde te connaît pas, ils font « Ah ouais, t'es drôle, toi, Jean-Louis, ah ouais, fais-moi rire, reste-tu, t'as 30 secondes, t'as maintenant. » Puis, tu tombais dans le malaise, mais t'étais comme un chat qui veut pas rentrer dans le sac, tu sais, t'es comme, tu fais « OK, vous riez pas, mais je m'en calisse, c'est-tu, regarde, je suis là, je vais vous avoir, puis tu... Puis tu twists, puis tu fais, mais non, je rentre pas dans le sac, tu me noieras jamais, esti. M'a griffé, regarde, esti, m'a griffé le tabarnak, esti. Oh, ouais, t'es en crise, tu le mets ça. Je vais te faire rire, esti. Puis tu finis par gagner le monde parce que tu fais. On dirait que le. Puis moi, ça m'a impressionné parce que, tu sais, le rejet que tu vis au départ, c'est comme si, tu sais. Ça coulait comme de l'eau sur le dos d'un canard. Puis tu fais non. Bon, Siri, toi. Puis tu lâches pas et tu finissais toujours, peu importe la froideur du public, tu finissais toujours par les gagner. Ben, merci. Mais tu sais, il y a une question de trouver des bons gags aussi, mais tu sais, il y a une question d'attitude puis d'être comme une bête de scène, ça, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est... Mais je me souviens de ton émission de barbecue.
Les fleurs, le pot après. Ben non, c'était super. Puis tu sais, écoute, je l'avais vu, puis j'étais là, Chris, c'est une machine, ce gars-là. Et honnêtement, je me disais, c'est plate que le marché soit sursaturé, que probablement qu'il n'y aura pas la chance d'éclore. Parce que, tu sais, dans le fond, c'était juste ça que tu avais besoin, là, tu sais, parce que aussitôt qu'on te voit aller, puis qu'on connaît, tu sais, tu fais, ben non, c'est sûr, ce gars-là va avoir du succès. Tu sais, tu vois, même dans un marché sursaturé, ben, tu sais, t'es... Parce que, tu sais, on ça le cachera pas, il y a juste la crème de la crème qui peut accéder à l'olivier de l'année. Tu veux-tu nous montrer le tien, Gia? Non. Attends, pas que je veux le vanter, mais il doit être à quelque part, ici. Gia, tu fais attention, je pense que ta caméra a accidentellement tassé vers ton... OK, c'est beau, elle est revenue, là. C'est correct. Puis, ben, merci pour les bons mots, puis merci d'ailleurs, je fais une parenthèse, merci d'avoir accepté à ce contrat-là, à ce moment-là, parce que toi, en plus, t'étais à plein régime du calice, un humoriste pas connu avec un projet web, t'aurais 100 fois, t'aurais pu tellement décliner, puis merci d'avoir accepté, ça avait fait une différence à ce moment-là. Je t'avais vu, écoute, je me souviens plus où est-ce que je t'avais vu, mais je t'avais vu faire un numéro et j'avais fait « Ah, il est bien bon, lui! » Un resto bar, je pense. Je pense que c'était... Écoute, je pense que je t'avais vu à TV. Sérieux, je pense que je t'avais vu à TV. Évidemment, tu étais zéro connu. Avais-tu ça en route? J'ai fait en 2014. Moi, j'étais finaliste en 2014 avec Kat Levac, Mehdi, Didier. OK, ça a dû être là. Ça a dû être là que je t'ai vu et que je t'ai trouvé bien, bien bon. Ben, merci bien. Si on a la chance, on se sera à un moment donné. OK. Ben, écoute, je suis bon là-dedans. Là. T'as-tu ton calendrier? On va checker tout de suite pour une date parce que ça n'arrivera pas. Jeff, je voulais te parler aussi de quelque chose que, en tout cas, du moins, moi, que je n'avais pas entendu, que tu n'as jamais parlé dans l'espace casque que j'ai écouté. Et c'est quelque chose qu'on partage. L'amour des chiens, tabarnak. À quel point on aime les chiens. Je sais que tu es un amoureux des chiens. Et je t'avais même écrit là, une couple d'années quand ta barouette t'avait perdu. Je pense que c'était Roxy. T'as perdu tes deux chiens, je pense. À un mois d'intervalle. Roxy et Maya. Maya, qui était le chien à Marcel Leboeuf avant. Ah oui? Il m'avait refilé ça, ouais. Il m'avait refilé ça. Maya, Roxy, c'est un petit chien parfait. C'est un petit Shetland. Un petit chien parfait, une petite chienne super sweet. Écoute, elle était parfaite. Il n'y a rien qui dépasse. Maya avait tous les défauts des chiens. Ben, regarde, on va te montrer Roxy de Maya. Roxy de Maya. sont encore bien présentes dans ta vie. Là. Ben écoute, un chien, c'est pour toute la vie. Là, c'est absolument. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Mais oui, moi, j'ai eu une... J'ai une passion des chiens, je pense que je peux dire ça. Ouais. J'aime tous les chiens. Présentement, j'ai un gros berger allemand à poils longs. Et moi, tu sais, comme Roxy était parfaite, moi, j'ai toujours pensé que j'étais bon, que j'avais le tour avec les chiens. Mais là, j'ai un chien un peu plus difficile. J'ai un berger allemand à poils longs qui est vraiment superbe. Il a des problèmes de santé. Écoute, il fait des allergies. Écoute, je suis tout le temps rendu chez le vétérinaire. Écoute, ils m'ont offert d'être associé là, dans les cliniques. Là, qu'ils m'ont dit ça m'en reviendrait pas cher. T'as fait, ça va pas bien? Non, mais je pense que son but, c'est de me ruiner et ensuite de mourir. Tu sais, c'est fou comment il me coûte cher. Puis, c'est un chien qui, je suis obligé de te dire, qui m'a fait beaucoup cheminer parce que moi, avec mes chiens, j'étais relativement sévère. Mais Didi, Diwan, il n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas avec lui. Okay. J'ai essayé avec un éducateur canin, une éducatrice canine. Une éducatrice canin. En tout cas, bref, une fille qui s'occupe des chiens, là, qui est beaucoup sur le renforcement positif. Et je pense que la fille est compétente, là, ceci étant dit, mais avec moi, c'était pas un match. Là, avec moi, disons, j'avais pas beaucoup de renforcement positif quand elle me parlait. Là, je me sentais vraiment cave. Ah ouais? Puis, ouais. Fait que, tu sais, ça a pas marché. Fait que D1, il a fallu que je baisse comme les attentes que j'avais par rapport à lui. C'est un gros chien. Tu sais, comme toi,
Mon Akita. Ouais, tu sais, c'est des chiens qui sont comme ultra puissants. Moi, mon berger allemand, il n'est pas dominant comme ton Akita, mais par contre, il est peureux. Fait, c'est quasiment pire, tu sais, ouais, dans le sens que je peux pas le truster sur... Tu sais, si quelqu'un sonne à la porte, là, tu vas l'entendre, il spin, il vient, il ne faut pas que cette personne le rentre, tu sais, tu vois que... Puis, que ce soit un enfant de 5 ans ou un motard, c'est la même réaction, là, tu sais, il n'y a pas de gradation dans le monde. Ouais, fait, la plupart du temps, ça se passe bien. Puis, tu sais comment le monde sont. « Hey, mais monsieur Mercier, est-ce que je peux flatter votre chien? » Tu fais « Ah, merveilleux pas, là, tu sais. Ouais. Ah, il est méchant, tu fais « Ben... » OK, 90 % du temps, ça se passe bien. Mais tu comprends-tu que le une fois sur 10 où ce que ça se passe pas bien, ça se passe vraiment pas bien? Puis, tu sais, c'est un chien qui est peureux. Fait que lui, des étrangers qui arrivent, « Ah, oh, le beau chien! » Puis qui veut vraiment arriver. Écoute, et c'est ça, là. On ne sait pas comment ça va se passer. Là, fait que tu fais, ben regarde, il n'a pas mordu personne. On aimerait ça garder ça de même. Fait que je le sais, là, tu sais. Fait que je ne ferais pas exprès, là, mais tu sais, vu qu'il est beau, le monde est quand même impressionnant, tu sais. C'est un gros chien, là, tu sais. Il est quand même... fait que tu sais, il y a du monde qui en ont peur, puis tu sais, tant mieux, là, tu sais. Pour que... Fait tu sais, moi, je... tu sais, ça se passe bien, tu sais, on peut croiser d'autres chiens, je le ramène juste pour être sûr, tu sais, pour pas qu'il fasse peur au monde, pour pas qu'il soit de la terreur du quartier. Mais, tu sais, il a fallu que je chemine, puis que je fasse « OK, bon, ça se passera pas comme je l'avais prévu au départ. T'allais faire des cours, ben, tu sais, comme toi aussi, là, tu sais, c'est beaucoup d'investissement, de temps, puis... des fois aussi, je ne sais pas si ça te parle quand je te dis baisser mes attentes. Je ne sais pas si tu as baissé. Parce qu'on n'a jamais vraiment parlé ensemble. Là. Mais, non, on n'a pas parlé, effectivement. Mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça, promener mon chien sans laisse. Ouais. Et il fait, là. Et il fait. On a pris assez de cours pour ça. Il fait. Il va marcher sans laisse. Mais tu sais, mettons, quand... moi, c'est un arrêt d'autobus chez nous. Mettons, quand il y a des enfants qui sont là, j'attends d'être plus proche de la porte que des enfants pour le détacher. ouais, je comprends. ouais, c'est sûr que, tu sais, comme moi, mon Akita, c'est des chiens extrêmement primitifs, tu sais. Fait qu'il y a des choses, tu peux pas aller contre... Extrêmement puissant aussi, tu sais. Oui, aussi. Mais tu peux pas aller contre nature. C'est des chiens extrêmement confiants. Ils ont peur de rien, esti. Mais c'est ça, comme mettons, il peut rester proche de moi, mais si il y a quelque chose de louche, s'il y a un écureuil, tu sais, la plupart des chiens, tu vas me dire, mais il y en a, les chiens sont attirés par l'écureuil, mais si le maître l'appelle, il va revenir, mais puis, au début, je le prenais un peu personnel, je me disais, oh, tabarnak, quand je t'appelle, hostie, tu viens, mais c'est dans sa nature chasseur aussi, c'est comme, non, le gros, mais aller faire ce que j'ai à faire, c'est sûr, je vais revenir. Mais là, il y a un écureuil, là, il y a un danger, là, tu sais, fait que tu apprends à... Je modifie mes attentes. Je suis comme, ah, ben lui, c'est... Comme dans une relation d'amitié, comme en couple, tu sais, il y a des choses qui doivent être travaillées, puis d'autres que c'est comme, ben, ça va être comme ça, parce que c'est dans ma nature, tu sais. Mais un chien, t'as raison, puis c'est pour ça que je suis content d'en parler. C'est, moi, tout comme toi, ça me travaille ma personnalité, ça travaille ma patience. On devient les meilleures personnes. Oui, Chris, oui. Moi, Didi, mettons, tu sais, il sait, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même intelligent, ce chien-là. Tu sais, il a des allergies. Il sniffe les pattes, ça fait comme des levures. Il est allergique aux levures, ça lui fait des dermatites autour de la bouche. Il faut que je frotte la bouche, il faut que je fasse des bains de pied. Fait que je mets son petit savon sur chaque patte. Puis là, il aime pas ça parce qu'il y a des bobos, fait que ça lui fait mal. Fait que là, il me monte les dents. Puis là, je fais non, tu me montes les dents, moi, tu sais. Hein, parce que là, on est tout seul dans la douche parce que je suis tout nu dans la douche avec. Là, tu sais. Là, je suis stupide. Puis là, il n'y a pas de témoin. Je peux t'en donner des coups de poing dans la tête. T'sais. Mais honnêtement, le chien, s'il se fâche, je pense qu'il est plus fort que moi. C'est, fait que tu veux pas aller là, mais il faut que je fasse ses bains. Puis il faut que je laisse ça pendant 10 minutes. Fait qu'il est 10 minutes dans la douche à pas bouger en attendant que j'y rince ça. Fait que le chien fait quand il sait, là, tu sais, quand je fais Didi, viens-t'en, on s'en va. Il fait non.
On s'en va en haut. Ah ouais. Il fait jour. Asti, je le sais, c'est pour le bain-pied. Il n'y a pas question. Ça se posera pas. Fait que je suis obligé de courir après. Puis quand je me fâche, quand je suis vraiment fâché, là, écoute, c'est vraiment cute. Il monte en haut. Il s'en va dans la salle de bain. Puis il se met dans le fond de la douche. Puis il attend. Puis il a des petites oreilles basses. Qu'est-ce que tu me rends? J'espère que c'est pas aujourd'hui que tu vas te débarrasser de moi en me noyant. Mais c'est quand même cute. Tu fais, pendant tout ce temps-là, il sait. Tu sais, il y a une grosse cage. Sa cage est immense. Écoute, ma blonde rentre dedans. Tu sais, pour te dire à quel point sa cage est grosse. Ah ouais, hein? Puis je pourrais rentrer dedans, c'est juste. J'ai peur de ne pas être capable de sortir. T'sais, des fois, que le dos me barrait. Mais la cage est super grosse, mais il s'en sert pas. Fait que la porte est toujours fermée. Puis quand elle l'appelle, comme je le vois, il faut aller dans sa cage. Parce que c'est comme l'entente qu'on a. Là, c'est son safe place, ouais. Sa cage. Là, fait que quand il est dans sa cage, je le laisse tranquille. Fait qu'il a essayé de rentrer dans sa cage. Mais voyons donc. Ah, non, ben, puis là, t'en as-tu deux encore? T'en as non, un, là? J'en ai juste un. Ben, tu sais, c'est un gros chien. Honnêtement, il me coûte extrêmement cher en vétérinaire, ouais. Là, mais vraiment extrêmement cher. Puis, tu sais, les vétérinaires en ont un peu peur aussi. Tu sais, des fois, je les sens, ils sont pas à l'aise. Ouais. Il y en a un, il a le tour avec, là, tu sais. Mais il y en a un autre, il me check tout de là. Je fais, non, mais... Puis, tu sais, on dirait que quand tu te veux rassurant, ça te quoi d'encore plus inquiétant. Parce que, ouais. Tu sais, c'est comme si le maître disait, hey, écoute, moi, je suis un total idiot. Je me rends pas compte que mon chien... un potentiel de dangerosité. Mais tu sais, tu veux juste calmer les affaires. Tu fais, non, tu peux toucher à la patte, là. C'est parce qu'il monte les dents. Tu fais, non, mais regarde, je m'en occupe, là. T'sais, il se passe. Inquiète-toi pas, là. Il te mordra pas. Je te le garantis, il te mordra pas. Tu sais, mais check ça à la patte. Je sais, tu sais. Tu sais, tiens la gueule. Ça serait-tu le bout de la marde qu'il mordrait? Tu sais, oui, c'est ça. T'sais, disons, je vais faire beaucoup de garanties que ça se passerait pas. Là, t'sais, fait, c'est ça, il a peur. T'sais. Il y a des gens que mon chien a peur de mon beau-père. Écoute, l'autre fois, ça fait un bout de temps, c'était avant la pandémie. Là, mais Gilles, il vient chez nous, le père de ma blonde, puis il dit ouais, il commence à grogner après. Écoute, c'est assez impressionnant, là. Puis là, Gilles, il fait, hey, mon Dieu, puis tu sais, Gilles, c'est vraiment un bon Jack, là, tu sais. Puis il fait, oh, hein, quand on ne sait pas, on pourrait croire qu'il est dangereux, puis moi, je suis là, je suis debout. Non, écoute, c'est dangereux. Et sa femme, Marielle, a fait, Gilles, il faut se mettre à sa hauteur, il faut se mettre à sa hauteur. Il fait, non, esti, c'est pas super nanny, ici, là. Il faut pas te mettre à sa hauteur. Si c'est pour te sauter dans la face, facilite pas la tâche en plus, là. Il fait, non, c'est pas... Il faut juste qu'il t'accepte. Un coup qu'il a accepté son monde, c'est correct. Ouais. Tu sais. Mais écoute, on était chez eux pour Noël, là, 2 ans, puis on l'avait mis dans le garage. Tu sais. Bon, finalement, on l'a sorti, on l'a mis dans le garage parce qu'il y a des enfants, mais tu sais, les enfants, là, dans le garage, voir le chien, t'as qu'à mais tu sais, Gilles s'en va chercher de la bière pour du monde, c'est dans le garage, puis mon chien grogne après, puis je fais non, il faut pas grogner dessus, chez eux, en plus, ah ouais. Tu sais, ça sent pas, fait que, tu sais, c'est ça. Il faut que je monte à D1, qu'il y a des affaires qui sont dangereuses, puis il y a des affaires qui ne sont pas. Il y a quand même confiance en moi, mais ça a été beaucoup de travail de gagner cette confiance-là. Puis, tu sais, quand tu as un chien qui démontre un tempérament comme ça, tu sais, tu fais, OK, je vais... Tu peux pas vraiment donner de renforcement négatif parce que tu vas renforcer son mauvais comportement. Ouais, c'est ça. Tu sais, si jamais il grogne après ton beau-père, puis tu ramasses un coup de pied d'un côte, il va faire « OK, ça, c'est à cause de ce type beau-père. Asti, m'a le pogné, ce type-là. » Ouais, il faut faire attention, effectivement. Là, surtout quand... En fait, n'importe quel coup de pied, c'est assez bien moins. Ben, avec un chien comme ça, tu peux vraiment pas aller... En tout cas, moi, je pense que tu peux pas aller là. Mais il faut quand même que tu sois ferme, tu sais, sinon, on comprendra. Fait que tu te retrouves dans une place où tu fais... Bon, OK. Ah ouais. Faut que je respire. Des fois, tu montes un grand niveau de stress.
Mais t'as pas le choix de l'amener, de le sortir, de le désensibiliser, tu sais, ah, parce ouais. que sinon, il s'améliorera pas, puis ça va, il va juste être plus réactif. Ah oh, ouais, faut pas te faire semblant de rien, là, ça c'est sûr. Fait, c'est ça. Hein, on peut-tu flatter votre chien, tu sais? Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je peux, là, mais toi, j'aimerais mieux si notre relation n'allait pas plus loin. On se connaît ben, pas, moi, je garderais ça de même, tu sais. Ben... Et aussi, petite précision à tous les gens qui écoutent. Là. Premièrement, quand tu flattes un chien que tu connais pas, là, commence par faire sentir ta main, puis vas-y par en dessous. Il y a des gens, là, tu sais, c'est la main directe sur la tête. Le chien, il est comme, voyons, si tu fais ben, là, tu es calice. Moi, il y a des enfants qui veulent flatter mon chien. Tu sais, les enfants, ben, tu sais, ça comprend pas trop, tu sais, où ce qui est le problème. Là. Ils font, tu sais, moi aussi, j'ai un chien chez nous. Tu fais, ouais, c'est pas tout pareil. Ils ne pèsent pas 110 livres. Là, tu sais, hein? Ouais, en fait, ouais. T'sais, ton Yorkshire, il pèse pas 110 livres. Non, okay, parfait. C'est ça que je pensais. Tu sais, fait ce que je fais, c'est, moi, je tiens mon chien, j'y tiens à la tête, tu sais, comme ça, tu sais, s'il est surpris qu'il surveille, tu sais, qu'il n'ait pas le réflexe de, ah ouais. de mort, puis tu sais, il sait que quand je suis là, tu sais, c'est correct, là, tu sais. Fait que je fais, OK, vas-y, tu peux le flatter, tout, puis là, le chien, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de danger, tu sais, puis je lis dans ses yeux quand il est apeuré, parce qu'à un moment donné, ah ouais, on lit. Tu connais son chien, puis à un moment donné, tu vois qu'il se calme, puis tout, puis là, tu fais « Bon, OK, parfait, c'est fait. Mm-hmm. » Il a accepté l'enfant, il n'y a plus de danger, là, la crainte est passée. Ouais. Moi, je suis calme, ça calme le chien, hein, ça aussi, là, tu sais, c'est... Ben oui, Chris, oui! Tu sais, t'amènes ton chien à la garderie, tu sais, l'autre fois... Un voisin, il fait non, mais ils vont à la garderie ensemble, ils jouent ensemble à la garderie. Ah, OK, ben, si ils jouent ensemble. Puis lui, il y a un Golden Doodle. Ouais, et c'est, ouais, ça se juge. Hein. Fait que, tu sais, le Golden Doodle arrive tout friendly avec mon chien, ouais. Ça a pris 2 secondes, il l'a reviré sur le dos, puis tu sais, l'autre avait la gorge exposée, puis j'ai juste eu le temps de tirer, puis j'ai fait, hey, ouais, finalement. Hein, peut-être qu'on va y laisser jouer ensemble à la garderie. Finalement, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux, effectivement. C'est un peu malaisé. Il n'a pas eu le temps de mordre son chien, mais tu sais, c'est. Ah ouais, non, c'est jamais le fun. Puis, honnêtement, je pense pas que c'était agressif. Tu sais, je pense que mon chien était dans le jeu, mais quand c'est ton chien qui est sur le dos, puis que t'as un chien qui grogne, qui est beaucoup plus gros que lui, puis tout, toi, tu trippes pas, là. Non. Puis probablement que tu transmets ta peur à ton chien, et quand l'autre chien a peur, ton chien fait « OK, c'est ma proie », puis là, il tombe en instinct de prédation, puis tout. Fait, tu fais « Ben, c'est ça, avec ta technicienne à la garderie, où ce qu'il va, il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de prédation, ils ne sont pas introduits comme ça. Ouais. On ne les met pas face à face, puis jouer ensemble, tu sais. Elle est capable de les lire, puis, tu sais, c'est ça. T'sais, souvent, tu sais, moi, Maya, elle détestait les autres chiens, elle ne supportait pas qu'aucun autre chien m'approche. C'est comme si elle disait, non, ça, c'est le mien, là. Ouais. Trouve-toi-en un, là, t'approches pas mon maître. Fait que quand je la faisais garder, je disais, mettez-la pas dans le gymnase, Maya, parce qu'elle s'entend pas avec les autres chiens. Puis à un moment donné, j'arrive, puis je fais, ben où, Maya? Ben dans le gymnase, t'es en train de jouer avec les autres chiens. Puis le gymnase est vitré, je la faisais garder à Saint-Bruno dans le temps. Puis je fais, ben voyons donc, j'en reviens pas, à du fun, à jouer avec les autres chiens, puis tout. Elle me voit, à sortir, voilà. Puis à mort un autre chien. Ah, c'est fait ça. Que, tu sais, cette agression-là, ouais. Elle vient pas du chien, elle vient de moi. Tu sais, ouais. C'est comme, hey, ça, c'est mon maître. Il est là, puis tout. Là, l'autre chien continue de jouer. Ça fait, hey, crisse-moi patience, mon maître est là. C'est mon papa, tu sais. C'est... Fait que tu fais, oh, OK, ça vient de moi. T'as vu le numéro de Bill Burr sur son pitbull? J'ai pas, on m'en a parlé, j'ai pas vu. Je suis pas allé l'écouter encore. Ah, OK, c'est bon. Je vais me le noter. Ça fait 2-3 fois qu'on m'en parle. Faut que je prenne le temps d'aller le voir. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est bon. Je vais t'en reparler quand je vais l'avoir vu. Je t'en dis pas plus. J'aime l'espace casse tire à sa fin. Il y a une autre affaire. Je voulais te parler avant. Je voulais te parler de ta sœur. T'as une sœur, oui. Je suis pas fou. Oui, oui, c'est bon, oui, c'est ça. Oui, oui. Je voulais savoir. Ma sœur est une super belle femme. By the way, je rouvre une parenthèse. Oui. Moi, souvent, j'avais des chums qui voyaient ma sœur. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que mes chums s'imaginaient que
Ma sœur, c'était comme moi, mais avec des boules, là, tu sais. Ma sœur est super belle femme. Ben, tu sais, souvent, les gars, t'es là, t'as, ben là, si, tu disais pas du ça que t'avais une sœur, pis tout. Ben, tu fais, ben oui. J'étais, non, non, mais que t'avais une sœur, pis tout. Voyons, ben, c'est, ils sont donc bien désagréables, ces gars-là. parce que, je sais, ben, tantôt, tu l'as dit comme, ta grand-mère, c'était vraiment, peu importe ce qui arrivait, c'était jamais de ta faute. Puis t'avais déjà dit aussi, je t'ai déjà entendu dire que ton grand-père, c'était plus souvent sa petite fille. Puis, ben oui, puis comme t'étais le plus vieux, sans dire que tu mangeais à la claque, mais je veux dire, c'était plus souvent de ta faute. T'as-tu distancé ou rapproché de ta sœur? Parce que des fois, ça peut. Comme plus jeune, c'était comment avec ta sœur? Je pense que quand elle était jeune, ma sœur m'avait en admiration. Et moi, ben, j'étais enfant unique avant qu'elle arrive. T'sais, c'est comme si elle avait pris comme toute la place. Puis, tu sais, ma sœur a eu plein de passe-droits que moi, j'ai pas eu. Tu sais, j'ai... Ouais, c'est ça. Tu sais, comme ma mère, elle dit, tu sais, comme parent, on apprend, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est plate, j'ai appris avec toi. Puis avec ta sœur, ben, tu sais, j'étais un parent plus rodé, tu sais. Je savais plus, tu sais. Ouais. Justement, elle avait choisi ses combats. Fait qu'il y a des affaires qu'elle laissait aller avec ma sœur. Ma sœur, c'est... Moi, elle me tapait ses nerfs quand j'étais jeune. Puis, quand on a arrêté de rester ensemble, quand je suis parti de la maison, bizarrement, ça nous a rapprochés. Et moi, j'étais celui qui était bon à l'école. Puis ma sœur, c'était comme plus la personne qui était allumée, tu sais, qui sortait, qui était populaire, qui était une belle fille, tu sais. Puis ma sœur, elle est comptable, elle a fait son université, mais elle a arrêté l'école, fait qu'elle l'a fait en travaillant, tu sais, elle l'a fait de la manière longue. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'était moi qui étais bon à l'école quand on était jeune, puis quand elle a fini son examen de comptabilité, tu sais, c'est à travers le Canada, elle a fini quelque chose comme troisième au Canada, c'est quelque chose, tu sais, c'est une grosse, grosse fierté. Ouais. Dans notre famille. T'sais, surtout que c'est le style d'affaires qu'on se serait attendu de moi, pas de ma sœur. T'sais, ma sœur, c'est vraiment... elle a deux enfants. T'sais, c'est une femme super intelligente, une belle joie de vivre. Elle s'entend super bien avec ma blonde. Ma blonde aussi, elle a une belle joie de vivre. T'sais, c'est pas... T'sais, aux surprises, oui, je suis un peu plus négatif. Non, mais je trouve qu'il y a quand même un équilibre là-dedans. Ma blonde aussi, elle m'en sort là, des niaiseries. Là, à un moment donné, elle me dit je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne ferai pas de rapport d'impôt cette année. Direct à la porte. Non, tu ne ferais pas de rapport d'impôt cette année. Non, tu vas faire un rapport d'impôt cette année. surtout quand on a fait un les années d'avant. Là, ça, c'est le genre d'affaires que tu fais. Mais moi, c'est sûr. Mais drôle, là, mais c'est sûr. Elle, la vie va bien. Là, ouais, pis, ouais. Tout finit toujours par s'arranger. Tout. Fait que tu sais, il y a de quoi de. À quelque part, on se complète aussi là-dedans. T'sais, moi, j'aime ça. Sa légèreté, tu sais. Puis par contre, tu sais, ce qui est associé à mon négativisme, ça fait que notre rapport d'impôt est à jour, tu sais. Ça fait que les comptes sont payés aussi. Écoute, regarde bien ça. Je te raconte une anecdote. Moi, ça m'a vraiment fait rire. Vas-y. Mais à un moment donné, ma blonde a fait « Hey, merci pour le 300$. » J'ai dit « Quel 300$? » Ben, le virement interact là, que tu m'as fait. Tu t'es pas fait de virement interact. Ah, ben, il y a quelqu'un qui m'a fait un virement interact de 300. Puis tu sais pas c'est qui. Non, non. OK. Ben là, peut-être que dans ton monde de belle-fille, ça se peut que quelqu'un te fasse que quelqu'un que tu connais pas te fasse un virement interact de 300$, mais je te le dis, moi, dans mon monde, c'est possible. J'ai dit, c'est sûr, c'est une fraude, cette affaire-là. Elle dit « Ah ouais, ben, je vais checker ça la semaine prochaine. » J'ai dit « Non, non. Non, non.
T'appelles tout de suite. Ah, dis, regarde, j'ai pas le goût, là. C'est, non, non, mais tu t'appelles tout de suite, là. T'appelles fucking tout de suite, là. Ça se peut pas, là, 300 piastres. Elle parle à la caisse, à un gars, tu sais, puis elle fait, ben, elle dit, là, mon chum pense que je me suis fait frauder, puis tout. Puis elle dit, ben, attendez, je vais aller voir dans votre compte, puis tout. Puis il fait, oh mon Dieu, ils ont tous vidé votre compte, il y a 7,50 dedans. Elle dit, non, non, ça, c'est normal, là, c'est mon seul. Mais effectivement, c'est une fraude, by the way. Il n'y a pas d'étranger qui a fait un virement Interact de 300$. Là. C'était une fraude, mais vu qu'il y avait 7,50$ dans son compte, ben il n'y a pas eu de problème, ça n'a pas passé. Est-ce que c'est drôle, ça? On a tout vidé votre compte. Ah non, ça, c'est normal. Câlisse. Fait que tout ça pour dire que tu as une belle relation avec ta sœur. C'est ça qu'il faut retenir. Ben, avec ma sœur, oui, puis ma sœur, ben, ça, ce que je t'ai conté, c'est pas ma sœur, c'est ma blonde. Oui, non, je savais, mais je reviens. Mais ma sœur, oui, tu sais, elle a réussi par ses propres moyens, à la dure, là, tu sais, elle a eu deux enfants, et moi, ma sœur, tu sais, c'est ma sœur, en fait, tu sais, je l'ai toujours, c'est ma sœur plus jeune, et tu sais, je l'ai toujours vue avec un peu de... Écoute, c'est pas condescendance, le bon mot, mais tu sais, j'ai toujours été comme au-dessus d'elle. T'sais, j'ai été élevé à protéger ma sœur. Tu sais, ouais. Je veux pas, j'avais comme une attitude paternaliste par rapport à ma sœur. Et moi, j'ai toujours été celui qui a été bon à l'école. Tu sais, que ma mère misait plus sur moi pour être bon à l'école que sur ma sœur et tout. J'étais comme celui qui était responsable, tu sais. Ma sœur a réussi par ses propres moyens, avec un succès incommensurable, ouais. A eu deux filles. Et moi, ma sœur, la personne que je connaissais, c'était une fille qui sortait, qui était sur le party, puis tout. Avec ses filles, c'était vraiment une mère formidable, tu sais. J'en revenais pas. Tu sais, elle a deux belles filles. Je trouve que c'est un beau succès, tu sais, puis elle a vécu des épreuves aussi dans sa vie, tu sais, puis elle a toute mon admiration, tu sais, c'est vraiment, tu sais, si on faisait l'émission La Star d'un soir, puis toute ma sœur, c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne énormément, puis tu sais, c'est pas, tu sais, des gens... ordinaire, là, je suis sûr que tu comprends ce que tu... Oui, qui ne sont pas dans l'œil médiatique, ils n'ont à peu près jamais de reconnaissance. T'sais. Fait, t'sais, c'est encore plus grand, je trouve. Mm-hmm. Moi, souvent, je vais suivre les règles de la santé publique, pour donner un exemple bien précis, parce que je suis connu. Tu peux pas l'échapper, là. Ben, c'est ça. Tu fais, ben, c'est sûr, ils vont me reconnaître. Si je monte fêter Noël... Et le monde va me reconnaître, ils vont me voir, là, tu sais, ils vont, tu sais, c'est fini, là, tu sais, c'est, tu sais, t'as pas le choix de, tu sais, tandis que ma sœur, elle le fait, mais elle est pas dans, tu sais, elle pourrait pas le faire, tu sais, ça, fait que, tu sais, ça m'a vraiment, c'est vraiment une personne qui m'impressionne, t'sais. C'est beau de t'entendre. Est-ce que votre mère est encore là? Ouais, ma mère, elle a... Ouais. Ma mère a 25 ans de différence avec moi. Fait que ma mère est née le 16 juillet, fait que moi, elle est de 19. Fait qu'il y a juste 3 jours qu'on n'a pas 25 ans de différence. fait que moi, j'ai 53, ma mère a 78. Tu sais, écoute, je te fais une confidence, mais tu sais, des fois, ma mère m'appelle, puis elle me raconte des affaires, tu sais, qui, sérieusement, m'intéresse pas tant que ça, tu sais, puis des fois, tu sais, elle m'appelle, regarde, je vais te donner un exemple, là, je trouve que ça résume bien notre relation. Elle m'appelle FaceTime, je réponds, je suis en train de manger un popcorn, elle me dit, première affaire qu'elle me dit, « Coudon, tu manges encore? » Ça part mal en Ça part mal en Chris, là. Tu fais, « Ouais, salut, moi aussi, je suis content de te voir. » C'est pas... Calé, c'est OK. Je sais que ma mère, tu sais, sera pas là éternellement, tu sais, fait que des fois, je me parle, tu sais, je fais « Ouais, tu trouves ça plate, là? » Mais jamais aussi plate que quand elle sera plus là, puis qu'elle pourra plus te raconter ses histoires plates, là. Mm-hmm. Mais tu sais, ma mère, elle me raconte
L'autre fois, elle dit ah, oh, Marie-Lou était chez voyons, ce magasin-là. Là, voyons, tu connais ça, là. Le... Ben, je ne sais pas, ils vendent quoi, là. Mais c'est ça, là, les ventes. Puis là, ça dure 45 minutes, OK? Elle dit, non, mais elle dit, tu connais ça, là, ce magasin-là, là, ils vendent des bonbons à livre, là, tu sais, en tout cas. Marie-Lou, tu sais, c'est long, là, c'est long, c'est long. Puis, au final, c'est Marie-Lou, elle disait, ben c'est moi qui vais le payer avec mon argent. Puis, quand elle a vu combien ça coûtait, elle fait, ouais, finalement, grand-maman, j'aimerais mieux si c'était toi qui le payais. Mais, tu sais, ça a duré 45 minutes, cette histoire-là, qu'on n'a jamais su c'était quoi le nom du Christ de magasin, que finalement... Quand elle l'a trouvé, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, c'est Bolt & Barn. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je suis jamais allé là. Écoute, je ne connais pas ça. C'était... Mais en tout cas, c'était... maintenant, on le sait, c'est Bolt & Barn. Mais tu fais... Ouais, c'est ça. Tu sais, tu fais... Ouais, ça me gosse, là, parce que, tu sais, j'aurais probablement d'autres choses à faire, mais je le sais que ça va me gosser encore plus quand elle ne sera plus là. Puis quand je vais faire, ah, crime, j'aimerais ça... qu'elle me raconte ces hosties d'histoires plates qui finissent plus, ou que, tu sais, ma mère qui me donne des conseils financiers, puis que, tu sais, tu fais... Ben voyons, c'est comme le pire conseil que j'ai jamais entendu. Elle doit les donner à ta blonde, en tout cas. Non, non, mais écoute, à un moment donné, ben, ça date un peu, mais tu sais, j'étais auteur, tu sais, puis je disais, tu sais, moi, comme auteur, je suis rendu que... charge de plus en plus cher, tu sais. Fait qu'il y a de moins en moins de monde qui m'appelle pour m'offrir des affaires parce qu'ils savent que, tu sais, je coûte bien cher. Elle fait, ben là, t'es ben niaiseux, arrête de demander autant que ça. Puis je dis, ben, c'est que je charge plus cher parce que je vaux plus. J'ai pas le temps de toutes les faire, tu sais. Fait que je charge plus cher, puis je prends ceux qui m'intéressent. Puis, tu sais, c'est drôle. Ceux qui m'intéressent, est-ce un peu haut le budget pour me payer, tu sais, c'est bien pour dire, tu sais. Fait puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, attends, je pense que je vais illustrer de quoi pour qu'elle comprenne. J'ai dit, t'aimes-tu mieux avoir 100 000 tout de suite ou 10 000 pendant 10 ans? Elle dit, j'aime mieux avoir 10 000 pendant 10 ans. J'ai dit, attends une minute, donc. 100 000 tout de suite, là, parce que 10 fois 10 000, ça fait 100 000. Ou 10 000 pendant 10 ans. Je dis, oublie l'impôt là, pour ces affaires-là. Là. Elle dit, j'aime mieux avoir 10 000 pendant 10 ans. Comme ça, si jamais je perds le 100 000, t'sais, si je perds le 100 000, ben, si j'ai pris d'autres options, je vais avoir 10 000 qui va rentrer à chaque année. T'sais. J'ai fait, OK, j'ai plus rien à dire. On peut plus parler de ça. On peut plus parler de ça. C'est pas... tu fais, non, il faut prendre 100 000 tout de suite. C'est ça, là. Il faut prendre 100 000 tout de suite. Quand tu n'as plus le temps... Il ne faut pas que tu fasses de la merde partout. Il faut que tu augmentes tes tarifs. Il faut que tu fasses moins. Ça va être... Ça va te coûter 100 000 si tu veux que je fasse ça. Puis, tu sais, puis je vais en tasser d'autres. Là. Puis, moi, ça va être du trouble. Là. J'aime autant te le dire. Là. Tu sais, parce que ça ne sera pas plus le fun quand je vais appeler l'autre et je vais lui dire, tu sais le contrat qu'on s'est entendu? Ouais, je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre m'a offert ce petit salaire. Tu comprends? Je l'ai accepté. C'est moi qui l'avais demandé. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu saches à quel prix tu es prêt à le faire, puis il faut que tu mettes ton pied à terre, puis écoute, combien de fois j'ai entendu des auteurs qui travaillaient à Juste pour rire, puis je disais, combien ça te paye ce contrat-là? Puis ils disaient, je sais pas. Ouais. Ouais, comment on tu entend. Sais pas? Comment tu sais pas? Ben, ils me l'ont pas dit. Je vais le savoir à la fin, là, quand ils vont me faire le chèque. Fait tu travailles, tu sais pas combien t'es payé. Ben, j'ai dit, je les ai demandé, puis ils m'ont fait, OK, toi, c'est l'argent. Tu fais, ben oui, Paulis, ça, c'est comme ben, tout le monde. Puis même des. Mais ça là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, peu importe le contrat que je fais, je suis exactement avant de dire oui. À part pour des soirées, des fois bénéfices pour une bonne cause. Je suis comme, man, calice, moi, être là gratis. On va vous donner un petit quelque chose. Man, calice, je vais être là pareil. Mais effectivement, c'est important. Puis au-delà de t'es à l'argent, je suis comme, ben oui, on l'est tous dans une certaine mesure, mais c'est surtout, est-ce qu'au moins c'est un prix qui justifie le fait que je me respecte, puis le fait comme de l'humour que je vais donner, tu sais, je peux y aller, mettons, je chargerais 1 000$, mais je veux au moins, ça, si c'est 500, laisse-moi au moins le temps de juger si, pour x, y raison, ça vaut quand même la peine, si c'est, tu comprends, c'est juste une question de se respecter soi-même, tu sais, mais c'est pour ça que je comprends pas le... Ah, oh, je sais pas, je comprends pas, tabarnak! Tu sais, mettons, là, tu t'en vas jouer dans un bar, là, puis tu sais, tu fais... Écoute,
c'est ça mon prix, puis tout, puis ça, ah, Colin, on n'a pas assez d'argent, puis tu fais, ouais, mais ça, c'est pas mon problème, tu sais, écoute, tout bad, puis là, ils font, puis tu vois, ça leur fait mal, puis tu fais, ah, regarde, on va perdre de l'argent, puis là, ils font broyer, puis là, tu fais, mais là, si tu perds de l'argent, fais pas de choses, tu sais, peut-être que tu peux pas engager Jean-François Mercier, tu sais. Puis, tu sais, on est tous chums, là, quelque part. Puis, tu sais, tu parles à Nantel, puis il t'explique que lui est allé jouer à sa place-là, puis il a eu le double de toi. Ouais. Puis là, tu fais, t'as eu le double? Ah, oh, oui. Ils t'ont pas dit que, non, non, j'ai pas rien négocié, ils m'ont offert ça. Puis là, tu fais, oui. OK. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas. Mais moi, écoute, souvent, je le vis ça avec ma blonde, tu sais, elle me dit des affaires du genre, tout au salaire que tu gagnes, tu peux pas chialer, puis tout, puis tu fais, ben, oui, je peux chialer quand même, tu sais, même si je fais un bon salaire, tu sais, il y a des affaires qui font pas de sens quand même, tu sais, puis... Ouais, c'est ça. À un moment donné... J'y ai déjà dit ça, tu sais, va dire au chanteur de Lincoln Park qu'il n'y a pas d'affaires à chialer au salaire qu'il fait, puis tout, tu sais, au salaire qu'il fait, il l'a pas empêché de se suicider, tu sais, ouais. À un moment donné, il y a des affaires qu'on peut accepter, puis tu sais, tu parlais des shows bénéfices, moi, ça, c'est une autre affaire, là, tu sais, je veux pas embarquer là-dedans, là, mais, tu sais, des shows bénéfices, je pourrais en faire 3 par jour, là, tu sais, puis travailler 365 jours par année, là, tu sais, quand tu te payes pas, le monde, puis, tu sais, c'est ceux qui ont le plus de demandes, tu sais. Ah ouais. Viens visiter nos installations, puis toi, tu fais, moi, je fais le show, là, tu l'annonces, puis vous gardez l'argent, puis ça, tout. Puis, à un moment donné aussi, c'est, tu te rends compte que quand tu fais des shows bénéfices, t'es souvent la seule personne de toute l'organisation qui n'est pas payée, est-ce-tu? Ouais, ça, on a déjà vécu des choses, ouais, effectivement. Tu sais, tu fais, OK, fait, vous êtes tous salariés, ouais, tu gagnes combien, toi? Tu fais, ça, c'est une job à 100 000, puis tu sais, t'es là, OK. Ouais, c'est caritatif, on va te dire. Ouais, c'est soit que tu vas au bout de ça, ou soit que tu acceptes de pas savoir la vérité, puis de dire, peu importe c'est quoi votre structure, j'y vais gratis, tu sais. Mais tu sais, quand la cause t'intéresse, t'aimerais bien ça que l'argent se rende aussi à quelque part, tu sais. Puis moi, ben, mon agent, tu sais, je fais oui, mais tu sais, des fois, j'ai des conditions, tu sais. Des fois, les conditions, c'est je fais le show, là, mais il m'appelle pas à trois semaines, là. Puis je vais te dire, ça, un petit peu de misère avec ça, là, tu sais, des fois... tu fais un show, puis t'es rendu d'heure et demie, là, tu sais, tu fais, ben non, moi, j'ai fait un show, je trouve ça correct de redonner, tu sais, à la communauté, mais je, vous me payez pas, fait que je vous appartiens pas, là, tu sais. Ah non, c'est ça, ouais, mais on en fait en crise, en tout cas, je sais que des fois, on entend souvent ça, vous autres, les artistes, vous êtes gros durs, asti, avec, moi, comme, non, mais attends un peu, là, si on va repasser mon agenda de la dernière année, là, des choses bénévoles ou à moindre coût ou des vidéos gratis pour plus plein d'affaires, là, on en fait un esti, là, tu sais, puis c'est comme, ça touche, de toute façon, plein d'autres sujets dans la vie, ça revient à tes cabochons que tu parlais tantôt, c'est que souvent, ils accusent à tort ou ils nous mettent des choses dans la bouche que, ouais, mais t'es même pas au courant que, c'est comme toi, quand tu racontais dans une entrevue, les gens t'abordent en te colissant quasiment un coup de poing dans le chest parce qu'ils prennent pour acquis que t'es un gros gars. Coup de poing dans le ventre, ça m'est déjà arrivé. C'est ça, tu sais. Hey, je te fais, c'est un petit vieux en plus. Je te fais ce que tu fais aux autres. Tu m'as vu frapper quelqu'un dans le ventre, tu sais. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi, le monde pense que parce que je suis connu, je suis pas fort, tu sais. Puis parce que je suis baquet, je suis pas fort. Mais tu sais, je suis gros, j'ai une bédette, mais je te le dis, je suis fort. Je peux être crissement surprenant. Là. Tu sais, tu te fais, arrête de me traiter. Tu sais, quand t'es un humoriste, on dirait que le monde fait je te le couche de demain. Tu sais, tu vas peut-être être surpris. Tu sais, surtout que j'accumule pas mal. Là, tu sais. Tu vas peut-être être surpris. Et en terminant, JF, regarde, je vais faire du pouce ce que tu viens de dire. En terminant, j'ai su entre les branches déjà une anecdote à ton sujet, puis je m'étais dit, ah, à un moment donné, je demanderais de me raconter. Peut-être l'anecdote est poche, je la connais pas. On m'a juste dit qu'à un moment donné,
Bon, avec ton type de public, ça peut engendrer des fois après les shows, dans les bars, peu importe, des batailles, des affaires, restis, parce que on s'entend. Mais c'est déjà arrivé, semble-t-il, que obligé de sortir une madame de 70 ans. Alors ça, c'était au vieux clocher. Au vieux clocher? Qu'est-ce qui s'est passé, Chris, au show de Jeff Mercier, sortir une madame? Tu sais comment ça marche au vieux clocher, le monde boit. Tu sais, le vieux clocher, à quelque part, c'est comme une salle, mais c'est un bar. Puis ouais. Le monde achète leur billet d'avance, mais ils n'ont pas de place réservée. Fait qu'il faut qu'ils arrivent vraiment d'avance. Les portes, le show est à 8h30, les portes ouvrent à 5h30. Fait qu'il y a du monde qui sont là depuis 5h30. Fait que, tu sais, ils n'ont rien d'autre à faire que de boire puis jaser. Fait que souvent, le show commence, puis il y a bien du monde qui sont déjà sous. Et il y a une petite vieille, elle a sa petite bière, puis son petit verre, puis elle verse le petit verre, puis à chaque phrase que je dis, elle commente, tu sais. Puis au début, tu sais, c'est une petite vieille, elle a genre 80, là, tu sais. Elle est cute, la petite vieille, puis elle fait, hey, mon Dieu, elle veut dire, il y a un problème avec les femmes, lui, puis tout, hey, ben là, franchement, voir que des affaires de même, ça, là, je ne le crois pas, puis tout, puis tout. Chaque astie de phrase qu'elle fait, puis veut pas s'étonner, en fait, tu sais. Essaye de faire ma gueule. Au début, fun, tu sais, puis tu sais, des phrases qu'on donne tout le temps, là, tu sais, tu fais, t'as pas vu ta face sur le poster, tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils donnent pas des micros à l'entrée, là, tu sais, tu fermes ta gueule quand tu veux, puis tu sais, j'essaie d'être fin, puis tout, puis tu sais, elle gosse le monde, là, tu sais, mais elle lâche pas, puis tout, puis tout. Le Dorman s'en va de l'avertir. Puis, t'as fait, non, mais c'est bon, là, puis son show, là, tu sais, je réponds, là, c'est important. C'est là, bon pour ça. Comme si on était arrangé ensemble, tu sais. Puis là, on me gosse. Puis là, je deviens de plus en plus élevé, tu sais, puis j'essaie de te faire faire mal. Puis, il y a un bonhomme à côté, un petit vieux, puis je fais, c'est ta femme, ça, c'est-tu? Tu dois avoir un gros bat, toi, hein, parce que ta femme va te dire, t'as une hostie de grand gueule, tabarnak. Tout, pis tu sais. Là, je fais, hey, femme ta gueule, la petite vieille pute, à la fin, là, j'en peux plus. Il y a un entraque après ce show-là. Attends un peu, tu l'as toffé toute ta première partie? Ben, j'ai pas le choix, si j'étais pas capable de faire fermer la gueule. Tu sais, le monde applaudissait, pis tout, mais elle continuait. Tu sais, c'était comme, elle pensait qu'elle faisait partie du show. Ouais. Pis tu sais, j'ai commencé fin. Pis à la fin, là, tu sais, j'étais vraiment agressif, là, tu sais, je veux dire. J'étais limite que le monde trouve que je vais trop loin. Là, okay. Même si c'est agaçante qu'elle faisait chier tout le monde. Puis à l'entracte, j'ai dit au Dorman, j'ai dit, là, la vieille, ça se forme pas à gueule, il va falloir que tu me la sortes, là, parce que moi, là, je commence à en avoir plein mon cœur. Fait qu'évidemment, il n'y a rien qui est arrêté après l'entracte. Fait qu'il est venu de l'avertir une fois, deux fois, puis en fait, là, j'aurais pas le choix, j'aurais été obligé de vous sortir. Et la petite vieille, elle ne voulait pas sortir. Parce qu'elle disait, non, il a besoin de moi pour son spectacle. Là, t'sais, t'sais, t'sais. Fait qu'elle se débattait, puis tout, puis elle était là, puis... Fait qu'il me collait droit, aussi. Puis tu sais, tu te sens mal, parce que tu sais que cette personne-là, elle t'aime, elle est saoule, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis tu sais, à 80, tu sais, et à la fin du show, le Dorman vient voir, il fait des arts martiaux mix, là, il fait de la MMA. Là, on s'entend-tu que ce gars-là, là, il n'a jamais sorti une petite vieille de 80 ans. C'est pas sa crowd là, de bonsoirs. Puis il a fallu qu'elle sorte de force, mais il l'a levé et il l'a sorti. Ça devait être drôle. Il l'a levé. Mais, il l'a voir après. Et il l'a levé de même ou il l'a levé de même? Il l'a levé, il l'a pris. Là, il a fait non, vous vous en venez. Là. Il l'a pris délicatement. Là, il ne l'a pas traîné par. Non, je cognais la tête, c'est bon autre chose. Là, mais t'sais, il l'a vraiment sorti. Puis il est venu me voir après. Puis il dit. Je vois, il a comme. Il est comme un peu en crise après moi. Il fait. J'ai sorti ben du monde dans ma vie. Ben, tu le connais, tu sais, c'est le gars qui a pas de cheveux, je me souviens plus de son nom. Ben, au vieux clocher de ma gueule. Oui. Son nom n'en vient pas, mais oui, je sais qui. Ok, oui. Oui, tu sais, c'est ça, là, tu sais. il dit, j'ai sorti bien du monde dans ma vie, ma petite vieille de 80 ans. C'était la première fois. il est détruit en dedans, là, tu sais. Il n'en revient pas.
que j'ai pas été capable de faire fermer à gueule. Il m'en veut à moi, là, tu sais, c'est tout ça. Viens te coller, c'est-tu. Arrêtez de faire boire le monde, tabarnak, c'est-tu. On sera peut-être pas obligé de les sortir, c'est-tu, calice. Sacrement. Fait que, ça, c'était une soirée spéciale. Puis écoute, la petite vieille est morte aujourd'hui parce que sa fille m'a écrit sur Facebook. Elle dit « Ouais, c'est ma mère. » Tu sais, je l'avais compté, là. Tu sais, puis sa fille m'avait appelé. Elle dit « Ouais, c'est ma mère. Elle est morte aujourd'hui. » Elle dit « Ah, oh, elle a fait pris vraiment ça. » Fait qu'en plus, elle a fait jusqu'au bout. Elle a fait filer cheap. C'était juste... Une fois, j'étais trop vieux que la fille de ma gueule, puis j'avais été vraiment raide avec une fille, mais tu sais, elle se fermait pas à gueule non plus, là, tu sais, puis... puis, je me sentais vraiment... J'ai fait là, je suis vraiment allé trop loin. Hein, j'ai été... Le monde avait ri, là, mais moi, je trouvais que j'avais été trop loin, puis tu sais... Écoute, tu sais, des fois, les lignes que t'envoies, ça sort comme ça sort, là, puis là, ça avait vraiment mal sorti, puis j'étais là, ah, si je m'en veux... Puis là, je me disais, tu sais, surtout dans le contexte qu'on est, là, tu sais, qu'on peut plus rien dire, puis tout. Puis je fais, j'espère qu'il n'y a pas personne qui a filmé ça, tu sais. Et je m'en viens, et Bernard Caza, il vient me voir, il dit, ben oui, il dit, à calice de folle, tu sais, je me sentais mal, là, je trouvais que j'avais été trop loin. Il dit, tu sais que je l'ai pogné, hein, t'es caché dans la loge. J'ai dit, quoi? Il dit, ouais, il est rentré par le côté. Elle s'en allait t'attendre dans la loge. J'étais là, ah, non, merci, il va être content, c'était une gageure, pis tout, et Dieu, allez, comme c'est droit, pis tout, pis là, j'étais là, ok, pis moi, le cave, je trouvais que j'avais été trop loin, elle m'attendait dans l'âge, tu sais, t'es là, tu fais, ah, sacrément. Les belles années. Jeff, merci infiniment pour tout ton temps. Ça fait 2 heures qu'on jase. Ah oui, okay. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait 2 heures. Merci. Ah, merci de ton ouverture. Merci. Je suis content que tu aies embarqué dans mes questions. Hein. On sait jamais là, si on pose des bonnes questions, mais merci beaucoup. Puis merci de ton ouverture. Puis s'il y a des gens qui écoutent et qui se demandent pourquoi on n'a pas parlé de ci ou de ça, ça veut dire que tu en as parlé sur d'autres podcasts. Fait que par respect, je peux aller là. Mais merci infiniment. À chaque fois que je te parle, je suis toujours de plus en plus... amoureux de ta personne, JF, t'es vraiment... Ah, ben, Jim, t'es bien fin. Je t'aime beaucoup aussi. Tu sais que je joue avec ton grand ami José Godet au poker. Au poker, ah ouais? Ouais. En ligne, en virtuel? Ouais, en virtuel, évidemment. Nécessairement. Trop le fun, il pochait de l'argent. Il crie, il fait « Ah! Ah! » Mais tu sais, les grandes gueules, « Ah! Ah! Je peux pas croire! » Tu fais... Là, on a de la misère à pas avoir de fun, là, quand on poche, là, tu sais. On a de la misère à se sentir mal, il crie, ouais, il est vraiment de même, parce que les gens, ils disent, ah, à radio, il en beurre épais, tu sais. Non, mais quand non. J'ai commencé à le connaître, puis qu'on avait des rencontres pour le show, là, tu sais, parce que, c'était les premières fois, il partait à rire en criant classique, en se mettant à genoux, tellement over the top, là, tu sais, mais je suis comme, OK, ça, c'est vraiment toi, là, ouais, t'sais. Ouais. Il dit « Oui, je suis comme ça dans la vie, Chris. » Je dis « Ben, calvaire! » Ça, c'est une belle générosité aussi, des fois. Tu sais, José est à TVA, fait tu sais, souvent, il va échapper des affaires qu'ils se disent pas à TV, mais tu sais, qui sont pas graves, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais ça, à un moment donné, il avait je pense qu'il avait échappé un sac, un hostie, tout, puis tu sais, il a fait « Ben, c'est ça, regardez, là, je... » J'ai donné accès aux vrais gars. Ah ouais, c'est ça. C'est la meilleure porte. De la... Ouais, parce qu'on est humain, calice. Mais c'est vrai, quand t'échappes de quoi, c'est que là, t'as eu accès aux vrais gars. Ouais. C'est ça qui est plate. Tu sais, être vulgaire, souvent, c'est ça. Hein, ce qui est vulgaire, c'est quelque chose qui est cru. Mais quelque chose qui est cru, c'est souvent quelque chose qui est vrai aussi. Plus souvent qu'autrement, effectivement. Mais ben c'est ce qui fait en sorte que je t'aime autant sur scène, dans ton personnage de scène, de ce que t'es, autant dans la vie comme en ce moment, dans les dernières 2 heures. Jamais l'impression que tu filtres. Okay? Puis c'est ça que j'aime autant. Je me rattache à ces gens-là. Puis c'est pour ça que je te remercie autant. Je me dis que dans le podcast aussi, un coup que ça va être monté, ça va faire un bon 15 minutes. Hein? Ah!
On va t'arcer, on va garder le meilleur. On va se faire un bon 5. Tu vas pouvoir prendre ça en démo. C'est bon. Merci, JF. T'es fin. Attention à toi. OK. Salut, Sam. Bye-bye. Bonne fin de journée.